Et y a pas un bim sur stream. Alors, on prend ce soir du Gartic Fun. Bim, voilà. Du Gartic Fun donc en multi. Bah là, y a déjà du monde, c'est cool. Y a donc Furious, Drusk, Tremere. Enfin, Tremere, les coups. Michi. Alors, normalement, il devait y avoir Christophe aussi. Je vais aller voir ça. Je vais me mettre en vocal avec eux et puis on va voir tout ça. Hello! Salut. Bonsoir. Hello, hello. Aïe. Alors du coup, Viman, qu'est-ce que disait mon Christophe, a priori, de ceux qui a dit qu'il serait là. Il y a Elosia qui va arriver aussi, elle a dit qu'elle allait avoir un peu de retard. Ah ouais? Ah bah c'est cool ça. Bon, 5 quelques minutes, quoi. Oh bah du coup, on va l'attendre. Ceci. Attends, je regarde. Nan, nan, nan. Hop, les réactions. D'abord. Qui avait dit oui? Donc il est Fufu, alors Tassa il a dit qu'il serait peut-être là mais pas sûr. Ouais donc il manque juste Christophe de ceux qui répondent oui au moment. Je vais peut-être réussir à rameuter Spoons au bout d'un moment. Ah bah ouais, faut que t'arrives à le choper. Et par contre ce que je comprends pas c'est que Christophe il a mis oui, mais il a mis un gif en dessous, I'll see you all later. Ouais, il va venir, il va venir. Je pense. Et le deuxième dit qu'elle sera là plus tard. On fera la première sans elle. Ouais, ok, ça va. Bon, on attend de 2-3 minutes, l'histoire de si jamais quelqu'un arrive. Sinon, tout le monde a déjà joué ou pas, Gartic Fan? Ouais, c'est bon. J'ai déjà eu des streams, mais je n'ai pas joué à proprement parler. Ok, ouais, enfin bon, du coup, t'as vu le principe. Oui. Ok, on est bien nickel. Hein. De toute façon, on joue Non, c'est un. quoi? C'est un Quoi? truc avec un crayon. Bon, on se met en normal, de toute façon, pour l'instant, voilà. La base de tout, elle était entre l'écriture et le dessin, jusqu'à la fin du tour. Ouais. Il y a Waouh. plein de modes maintenant, Ben c'est. ouais, ce que je suis en train de voir, hein. Il y a plein de Ah trucs. ouais, j'avais la licorne les autres fois. Ah, alors. Non. Et tu vas vraiment faire en boucle jusqu'à avoir la Ah. licorne. Il me laisse la tête de mort. Ouais, parce que Drosk qui était pas content parce que j'avais la tête de mort. D'accord. Voilà, hop. Oui. Ah bah tiens, il y a Christophe qui arrive. Ta ta ta, 108, speedrun, star, full. Ah mais Il a fallu que je remonte Parti avec 15 joueurs ou plus, c'est vrai quand même. C'est vrai que ta première animation en 5 images joue en solo avec des amis. Il y a un mode solo? Ouais, c'est vraiment là, c'est la déprime quand même. Tu commences à faire du Gartic Fun en C'est curieux. sono, c'est que rendu. Faut avoir la mémoire très courte. Qu'est-ce que j'avais écrit? Oh, je sais pas, qu'est-ce que j'ai voulu dessiner? Merde, tu as la bourre, et c'est où le vocal? Ah, c'est où le vocal? Mais il a pas les droits, ça? Si, de juste pas voir Dieu. Ah non, il a peut-être pas les droits en vrai. Ah Ouais, faut que bon? je mette Faudrait pas voir en. Dieu. Faudrait que tu les vendes pour pas cher en plus. Ah, exactement. J'ai le droit, et pour pas cher! Ok. C'est à moi que vous voulez vendre les droits de la salle? Exactement. Et pour pas cher. Et pour pas cher, une vraie affaire. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi, t'avais pas le rôle VIP, du coup, tu n'avais pas accès à ce salon. Et toc. Et sans, il y a. Ah oui. Elle a fait exprès de se mettre. Elle a les droits, quand même. Elle avait quitté le Discord, je viens de la réinviter. Faut lui remettre. Ah ouais, argent, les gens, ils se barrent comme ça, et ils pensent qu'ils vont avoir des droits. Ah. Hein Pas cher, pas cher. bah, carrément, ouais. C'est bon, désolé. Oh, remarque, je peux même la bouger. Elle bouge à la main, tiens, hop là, dégage, paf, viens par ici. Polosia. Coucou. Salut. Hello. J'ai C'est. Bonsoir. J'ai été téléporté. Exactement, c'est pas très sympa de se barrer des Discord. Attention. J'ai une tendance à quitter tous les Discords dans lesquels je suis tous les 2 mois. Non, mais je te comprends, moi aussi, des fois, ça me fait chier quand il y a des notifs de partout. Ouais, puis quand c'est des gens que t'aimes pas en plus, tu parles. Exactement. Après, c'est en attendant, quand c'est mon Discord, je peux pas le bannir, faut que je gère tout le monde. Faut que je vois. Y a-t-il un mot de passe? Oui, je l'avais collé dans le. Bah, t'as un lien directement. C'est un lien. Dans Ah, le channel je l'ai fuite finalement. Gartic Fan. Alors, eh bah, du coup, tout le monde est là, alors. Oui. Et Pseudo je suis cool. bête, en train de dodo. Ah. Tu t'appelles vraiment Pseudo cool? On va pas changer.
C'est cool. Ouais, c'est pas tout ça, faut que je branche ma tablette graphique, sinon c'est pas drôle. C'est triche ça. C'est triche ça, monsieur. C'est pas triche, c'est professionnel. Ouais, admettons, admettons. Techniquement vrai. C'est malin, ça. Pour dessiner la souris. Ça se tient, quoi. Bon, après, du coup, après, on va le juger encore plus si c'est raté, quoi. Mais bon, tu dessines bien, c'est qu'un ardent, quoi. Faut filer une tablette, t'as ça, du coup, on pourrait comme se moquer. J'ai un handicap, j'ai la canicule. Le plastoc de mon stylet est tout défoncé, du coup, ça glisse entre mes doigts. Si j'avais un petit peu d'huile sur mon crayon, c'est parfait. Mais c'est bien, ça, impeccable, ça, pour dessiner. Mets de l'huile, petit homme, dans la vie, il faut que ça glisse. Vache. En fait, je sais pas ce qui est le pire, c'est que tu l'as dit ou c'est que j'y ai pensé, quoi. Je ne sais pas quoi dire. Voilà, bienvenue. Bienvenue chez les vieux. Allez, des bisous. Pas votre référence pour le coup. Parce que je n'ai pas... bah oui, carrément, quoi. T'as jamais fait de mariage quand t'avais 16-18 ans, quoi. Effectivement, j'ai jamais fait de mariage. Bon, et eh ben, c'est parti. Tout le monde a un truc dans la tête. Enfin, un truc dans la tête, une phrase, un machin, enfin, bref. Juste deux secondes, parce que, en fait, j'étais à... Attends, en fait, j'ai oublié, j'ai lancé un concours à côté, du coup, il faut que je l'arrête. J'ai lancé un concours. La question, c'est, va-t-il y avoir le Petit Prince tour 1? Ah. Et combien y aura-t-il de cactus? Voilà, non, il y a des vraies questions, quoi. Est-ce que quelqu'un va réussir à faire le reflet de la lune dans l'eau sans se faire engueuler par Christophe? Ben voilà. Il y a des choses comme ça, quoi. Maintenant qu'il y a du RTX chez tout le monde, là, il n'y a plus d'excuses. Vous avez des reflets maintenant, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous savez comment ça fait. Voilà, voilà. Ah, mais c'est la vue d'artiste, ça, le reflet qui est un peu décalé. Je suis prêt, mon body est prêt. Eh ben, allez, goût. Et 3, 2, 1, et top à la vachette. Ah, c'est là maintenant, 3, 2, 1. Oui. Il n'y a pas de thème global, on met ce qu'on veut là. Oh non, là, on est parti. On a juste dit pas les mêmes, quoi. Oui, mieux quand même. Ouais, si je pouvais ne pas me faire bannir ma chaîne Twitch, ça c'est bien, quoi. Et on va partir par un X1. J'ai mis une phrase inspirée d'un fait réel de cet après-midi. D'accord. Il n'y a pas de timer? Si. Si. C'est le truc en haut à droite, là, le petit... The fuck. J'ai validé pile au moment où ça... Ça va que j'ai dessiné, hein, quand même. Oh putain, c'est une catastrophe. J'avais oublié à quel point... quel point les outils étaient efficaces. Putain. T'es en train de faire des ellipses? Non, c'est bien, c'est après ça. C'est quand je vais me rappeler comment ça fonctionne, je pourrais... Vous n'avez pas fait de Gartic Fun depuis combien d'années, vous? Bah, depuis la dernière session, ouais, c'est ça. Je crois que j'y ai jamais joué qu'avec vous, en fait, Gartic Fun. Ouais, je crois que j'ai 2-3 autres serveurs où j'y joue, mais... Tac, trop longtemps. Tac. Putain, alors après c'est... J'ai jamais aussi bien dessiné de ma vie. Ah non, merde, c'est la merde. Je suis en train de dire, enfin de me dire, oui, c'est... Comment on fait ça, bordel? Je crois que c'est comme ça. Putain, je sais même plus. J'ai une... Attendez les gars, pousse, en fait, on va recommencer. C'est ouais. Ça. On peut... Déjà? On a qu'à dire, en fait, ça compte pas et on le fait pas. Ça vous va? Putain, c'est une catastrophe. Qui a osé finir, là? C'est une catastrophe. Pas encore. Un peu en stress. Moi, j'ai fini. Désolé, j'aurais dû attendre un peu avant de valider. Non, ça change un peu les autres. Hein. Désolé, je plaisante, y'a pas de soucis. Peut-être dû mettre un fond, quand même, hein, mais... Oui. Ah mais ça c'est quand on sera voilà quand tu on sera bien avec les. C'est trop court pour mettre un fond. Exactement. Oh, putain c'est dégueulasse quand même. Ah. Oh la vache. Ouais. Il faut quand même que un truc là voilà. Hop histoire de dire que quand même et. Oh non il a pas de pied. Spoiler on sait qu'il y a un truc avec des pieds. Ah mais t'es discount putain t'es discount, oh la vache. Quoi?
comment ça s'écrit? Bah, tu feras la prochaine avec nous, du coup, Gramoul. J'ai un appel important qui a été annulé. Ouais, voilà. Bah, du coup, là, on vient juste de lancer, oh. On va avoir droit à Gramoul, je pense. Bah, toi, on a 3 sur 7, du coup, ouais, t'inquiète pas, ça arrivera vite. Si tu veux déjà venir. Dans combien de temps? Je vais manger entre les deux. Dans, je sais pas, 10 minutes à peine. Donc, mange vite. Celui-là est déjà à l'étape 4 sur 7, donc. Je suis à chier en dessin. Ah, oui, non, mais t'inquiète pas. Hein. Oh, mais pourquoi? Qui a fait ça? Oh, putain. Je tremble. C'est la pression, ça. La pression, parce que tu sais qu'à la fin, on va voir ton dessin et tu vas être jugé. Quoi. De mémoire, c'était cette couleur-là. Putain. Je vais me faire niquer là. Mmh. Hop. Ah, ah, je maîtrise le pot de remplissage de couleurs. Cet art secret, je pense que t'as bien pensé à faire. Ça, c'est parce que tu triches que t'as une tablette. Et que t'as bien fermé les trucs. J'utilise pas le bouton du logiciel, j'utilise ma tablette avec un bouton magique. Remplis les trous, s'il te plaît, merci, bisous. Wouah, d'accord. Non, il manque une. Voilà aussi. Non, par contre, il y a un bouton et du talent, ça, complètement, ça. Je fais un truc, mais ça ressemblait un peu trop à un autre truc. Ouais. Et fait pas stream friendly. Ouais. Elle fait pas que ça ressemble sur un. Voilà. Je. Attendez, mais j'ai passé tout ce temps à faire juste ça. Ok, cool. Sûrement. Colavan, bonjour tout le monde. Comment il vous le dit? Je souhaite de l'amour et de la bonne humeur à tous. Eh ben écoute, pareillement. Est-ce que Jésus est venu te voir aujourd'hui? Pourquoi Jésus? Je sais pas, souvent les messages comme ça, c'est les gens qui t'apportent l'amour de Jésus, donc... Putain, non. Moi j'ai reçu une lettre manuscrite de ma boîte aux lettres essayant de me convertir à l'amour de Jésus pendant la période Covid. T'as pas compris? Ah ouais, parce que pourquoi pas? Si ça peut dépanner, écoute... C'est le moment où on panique, mais il faut pas que je panique. Je panique de ouf. Ah putain, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de paniquer. On t'a dit qu'il fallait pas. T'as pas une mauvaise intention, mais exactement, c'est pour ça. Voilà, l'amour, tout ça, c'est bien. Ah! C'est nul mon dessin. Waouh! Ah ben, ouais, je pense que ça doit être Christophe, ça. Je suis sûr que je suis censé reconnaître quelqu'un, mais je sais pas qui c'est. C'est qui ça déjà? Le petit prince. L'amour met en toute amitié, dans respect et gestes barrières. Et avec consentement, évidemment. Je m'excuse à la personne qui a eu la phrase. J'espère que ça a eu le temps de valider la phrase. Ah, il manque la fin de la phrase, moi, on va pas se mentir. Mais c'est peut-être pas ça, mais... Non mais en fait, je pense que là... La personne qui a envoyé le truc, de toute façon, c'était niqué. Il fallait pas écrire un roman, il fallait écrire une phrase. T'es en train de critiquer, je crois que j'ai envoyé. Hein. Ma mission à dessiner est un peu complexe, hein. Je vais essayer. Pourquoi j'ai fait de la couleur là? Je suis con. Ah ben non, en fait, j'étais intelligent. Enfin... Oula. Non, j'étais moins. Oh putain, ben non, en fait, je suis con. Mais non, t'as pas été intelligent parce que Réfléchis. Ouais, non, justement, c'est ça qui m'a manqué. Vache. Sérieux, je suis trop. Alors, je vais mal dessiner, mais c'est parce que c'est ce que l'œuvre originale demande. Ah ouais? Si c'est bien dessiné, ça correspond. Faut pas. C'est une catastrophe. Attends, t'as dit quoi? C'est dégueulasse. Ok, on va dire que du coup, ça va être comme ça. Oh putain. Mais il n'y a plus de blanc dans ce jeu. Ah mais si, mais le blanc, il est gris. Et oui, le blanc. Mais ça, sur mon écran, c'est les deux sont gris, du coup. Que... Ouais, d'accord. Parce que c'est la nuit, tous les chats sont gris. Attends, je pense que c'est la explication. Hop, on va faire comme ça.
Oh, c'est une catastrophe. Putain. Pourquoi je fais ces détails alors que j'ai dessiné qu'un quart du dessin là. Je vais mettre des petits traits, je vais remplir des trucs. Ah, j'ai pas fini, merde. La priorisation. Merde. Sache que c'est très joli. Maintenant pour rusher tout le reste. C'est une catastrophe là. Je voulais faire un truc, ça a pas marché, du coup j'ai fait un autre truc. Pas marché non plus. C'est ça. T'as reconsidéré tes choix de vie. Tu t'as rappelé que t'avais plus que quelques secondes et puis du coup t'as insisté. Ah non, il a dit quoi? Ah oui. Hop. C'est le meilleur dessin jusque là. Ah mince, j'ai inversé. C'est le chef-d'œuvre. Voilà. Mais non, ça c'est un tigre. En tout cas, de mon côté, on voit bien que je suis pas un très bon dessinateur. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça gêne, ça j'ai pas. Comment il s'appelle ce jeu? Honnêtement, si après cette description, ça continue à ressembler à ça... Bah c'est fini là. Ah c'est fini là? Ouais, c'est le dernier tour. Hein. Ah bah du coup, ça va continuer à ressembler à ça. Ok. Attends, faut que je fasse quoi? Faut que je fasse manuel, hein, c'est ça? Parce que sinon, ça, oui, ça passe manuel, trop vite. Ouais. Narration, non, présentation, oui, début... Manuel. Manuel. C'est Manuel qui fait la présentation. Allez, go, démarrer. Ah si, c'est marrant avec la voix qui parle, c'est rigolo. Ah ouais? Bon bah on met la voix. C'est spécial. C'est spécial. C'est trop drôle. Elle est canadienne. Alors... Affiché. Stop all guys. Et ouais. Donc ça, c'est un peu ma vie en ce moment. C'est que y a mes gamins, ils sont partis chez mes parents. Et il y a un event où, en gros, faut faire top 1. Mon fils n'avait plus le temps de le faire avant de partir. Je lui ai rien dit. Je me suis dit, bon, bah, je vais lui faire, comme ça, il sera trop content. Et donc, ça fait depuis samedi que je me fais fumer par des gamins à Fall Guys. Voilà. Et même le dimanche, il se lève tôt exprès. Il n'y arrive pas quand. Et je me fais fumer quand même, quoi. Alors, ah, bien. Impeccable. Et j'ai vraiment cru que ça allait être des Teletubbies. Bien... Il est resté relativement loin. La couronne. Yes. Ah, bien. Ah, joli, Michi. Oh, ah ouais, non. Les ellipses. On reconnaît bien. Bravo. Non, là, il... Premier à Folgy, en costume. Folgy. Vas-y, dis tout. Allez, dis tout. Ah ouais, et non, et on sent que ça comme Fall Guys. Hein. Top un Fall Guys. Maintenant. Un truc silly corpo, il fait carrément de la pub. F2P qui ne veut pas dire la même chose. Non. Tout à fait. Ça veut dire frais de port. Exactement. Évidemment. Toi, t'es vraiment. Merde, putain, j'ai pas sauvegardé. J'ai sauvegardé, t'en fais pas. Ah, bien joué. Un chat s'apprête à sauter sur un kiwi. Ah, mais c'est toi qui as mis ça, quoi. Sérieux? Je crois que j'ai fait une... Oh, comme il est classe. C'est très très, très joli. Ah ouais. Et le pauvre kiwi. Un charou va bondir sur un kiwi. Sur un kiwi. Ça va? Oui, bon, bah voilà. Oh c'est mieux. Non, mais je me suis dit que ça ira plus vite de faire le kiwi comme ça qu'avec un vrai kiwi. Un chat saute sur un kiwi tranché. Ah bah voilà, impeccable. Le pauvre piaf, il a mal fini. Hein. Ah, c'est plus un piaf. Si tu m'avais fait un kiwi tranché, là, j'aurais quand même tiré la gueule. Mais... Un chat sort d'un kiwi, ah. Le fruit e accent grave, e accent aigu. Toujours un succès, salut Outy Smiley. C'est magnifique. Merde. Tu les sauvegardes, Fufu? Je les télécharge. Allez, bien joué. Alors. Un dragon grille une vache au barbecue. Ah, c'est donc toi. C'est donc toi. J'ai failli mettre un dragon à la fin, mais bon, voilà. Waouh. Ouais, classe. Ah oui, mais c'est Disney, lui, donc waouh. Wow. Ouais. Un dragon qui cuit une vache à la ça ressemblera pas à ça. Hein. Ok. Non, j'ai pas fait aussi bien, clairement. Ouais, c'est ça que j'ai eu. Bah ça va, franchement. On a l'essentiel. En vrai, on trouve ça dans une grotte de Lascaux, on croit que c'est génial. Bah carrément, il est là. Ouais, mais j'ai perdu le dragon. Il y a les couleurs et tout. Détruit une vache.
Eh, non mais on y est presque, parce que Corbusier... Attends, le Corbusier là, il est à gauche ou à droite? À gauche. Une vache en colère. Ah, moi j'ai celui-là, moi. Ah, ça ouais, reste globalement ouais, un dragon, pratiquement. Hein, c'est... Ouais. C'est Corbusier là, je pense que c'est juste le nom d'un oculaire de dragon. Oh, on est passé du barbecue au cri, franchement. Ben, en vrai, j'ai failli marquer un dragon crache des flammes sur une vache, et puis tu l'as fait noir. Toi, tu l'aurais fait vert, ben, je pense que je mettais un dragon. En fait, on a remonté le temps. D'abord, il crie. Non, on est d'accord que t'as vu que c'était du feu, et puis t'as vu que c'était un cri. Hein, donc c'est clair. Ben, parce que du coup, c'était pas un dragon. Pire surprise partie. Mon pire surprise partie. Yes. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Hein, je cligne. Oui. Bah voilà. Ok. Moi, ouais, c'est ça. C'est ça. Il a un peu l'air blasé, mais on sent qu'il est quand même content. Ouais, ben voilà. Oui, bah c'est le premier dessin. Faut ouais, et puis ça se trouve, il a 354 ans. Bon, au bout d'un moment, t'en as un peu marre, quoi. T'as... Dracula fait ah, la méga taf pour son anniversaire. Il fait la méga taf. On a gardé le. L'artifice, hein. Oh, trop bien. Merde, j'ai raté le Dracula. Oui, je vais faire un détail pour dire attention, il y a des dents quand même. Un vampire fête son anniversaire avec un gâteau rond. Ah ben là, c'est là où ça a coupé, voilà. Et, alors... À 3 ans, mais il est vieux. Et, alors, ouais. Et là, là, c'est le craquage, quoi. Moi, j'ai perdu le fait que c'était un vampire. Oui, non, mais là, j'ai pas pu. Je sais pas exactement ce que c'était les. C'est pas ta faute, hein. Je me suis posé la question, savoir si c'était pas une araignée. Non, je te comprends, c'est de la merde. L'essentiel de le gâteau de... rouge. C'était. Merde, comment s'appelle ce jeu où tu mens avec des caca et tout ça là. Isaac, quoi. Isaac, ouais, c'est Isaac. Binding of Isaac. C'est Isaac qui a son anniversaire. Meilleur résumé de Binding of Isaac, d'ailleurs. Hein. Le jeu où tu sais le caca. C'est quoi. Ah bah, le jeu où il y a du caca. Ouais. Bah, c'est le meilleur jeu de merde du marché, hein. Goku fait un Kamehameha. Terme de caca, bonhomme ouais. Bâton accepté. Ah non, non, désolé Furio, je ne fais pas de bonhomme bâton. Ouais. Oui, mais je voulais vexer personne en disant que j'ai fait un truc dur et que voilà. Donc, bon, il a qu'un pied, hein, excusez. Bah, il a perdu l'autre, c'est pour ça qu'il se venge. Ah, il n'a pas ajusté son pantalon, il ne l'a pas rangé dans ses bottes. Ça, il est en train de se battre, il a perdu une chaussure, hein, c'est pas arrivé quoi. Kamehameha de l'abruti en orange. T'as quand même comme ça, je juge quoi. Ah, je suis là. On n'a pas tous le même niveau. Il lui manque un bras. Il, y a des trucs il lui manque qui... un bras, ouais. Il a j'avoue, mais c'est dégueulasse. C'est quand même. Il est rangé dans sa manche, c'est pour ça. Si, comme tous les enfants du monde, vous avez essayé de le faire chez vous, ça fait quand même super mal au poignet de faire un beau Kamehameha. En fait, ça va quand même plus vite de se greffer l'autre main au poignet. Ouais, je le descends en contre. Alors, un bâton dans le dos fait un Kamehameha. Il y a son Goku, c'est bon. Ah oui, il a un bâton, j'ai pas vu. Il y a même bâton comme dans l'énoncé au départ. Ben, exactement. Ah, il y a bel homme bâton. Le bâton qu'il a dans les débuts du manga, en fait. Ah. J'ai fait tomber ma glace et je suis triste. Ah. Voilà, très bien. Minimaliste. Merde, comment on est revenu avec cet Edrusk ben parce que. Oui, je suis là, c'est pas possible. Tu vas voir, tu vas voir. Parce que moi, j'avais entendu en fait tout à l'heure quand il a dit j'ai fait une phrase tirée de mon après-midi. Ah, et du coup, là, voilà. D'avoir fait tomber sa glace par terre. Trop triste. Elle est tombée sur mon t-shirt. Ah putain, si, je sais ce que encore c'est. Encore plus triste. Pourquoi c'est devenu un squelette? Bah, parce que c'est son avatar dans le jeu. Ah, bien vu, bien vu. Ah, oui, en effet. Je voulais faire la capuche, mais j'ai pas eu le temps. Fait tomber sa glace. Ah, c'est pas resté une glace très longtemps. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est un squelette qui pleure d'avoir fait tomber sa glace. Un squelette que pleure la mort de son lutin. Oh, mais... C'est vrai qu'on dirait un peu un lutin face contre terre. C'est très mignon. C'est vrai. Il est trébuché, c'est éclaté. Face à la mer, face contre terre. Il aurait dû grandir. Il aurait dû mourir. Ça, c'est pas resté la reine de pique. Hein. Ah non, c'est pas resté la reine de pique, je confirme. Ouais, j'ai galéré à faire le pique. Alors ça c'est pareil, j'en ai pas entendu parler. Ah, le pic il est gardé. Hein. Ouais, mon dessin il était un peu... Ah oui, c'est vrai. C'est le chauve. Du coup c'est devenu le roi. Ah ok, ouais. Ah, donc, oui. Ah d'accord, j'ai ce que c'est. Mais pas du tout. Ouais, je savais pas comment décrire. Un petit prince végéta et chef Uji, grise veste rouge. Mais j'ai fait ça moi. C'est parfait. C'est ce qu'on m'a dit de faire. Le petit prince de la charpégrée de ce rouge, il est bien. Petit prince a fusionné avec Goku sur la lune. Magnifique. Joli, joli, joli. Alors, mais Didi, j'ai fait un truc simple pour commencer, quoi. C'est celui qui a le plus foiré. Et du coup, c'est bon, tu peux venir, Grammoule. Yes, Grammoule. Allez, tac. Here comes the new challenger. Belle constante DBZ. C'est vrai qu'il y a eu du DBZ, là, ce coup-ci.
Mais c'est peut-être remplacer les super Doritos guacamole. Putain, le Doritos Gate, là, ça a plus... Bonjour, c'est Grand Mouzé. Salut. Bonjour. Vous allez bien? Bah écoute, impliqué. T'as vu ça un peu, des talons incroyables? Non, mais un trop grand niveau, moi j'ai peur maintenant. Ce serait que des bonhommes bâtons, je me suis dit, je suis à l'aise, mais là j'ai vu du talent, j'ai... Ah, j'ai vu l'expressivité. Tu peux faire des bonhommes bâtons, hein. Tu seras un peu jugé, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est bon, ça me va, ça me va. De toute façon, tu peux pas faire plus moche que moi. Si tu les fais en utilisant les outils et pas à la main, ça va. Parce que si tu les fais à la main, ça devient vite dégueulasse. Oui, je juge les bonhommes bâtons, alors que j'en fais. Du coup, désolé, mais c'est une première. Est-ce qu'on peut m'indiquer un peu comment ça se passe, ne serait-ce que, je sais pas, le site ou... J'ai mis le lien dans le... Ouais. Ah, pardon. Je l'ai remis parce que j'ai posté les images. Donc. Ah oui, ouais. Ah, ok, merci. Écoute, t'as juste à cliquer le lien et normalement, c'est bon. Tu choisis une image et tu mets un pseudo et tu fais jouer. Ou rentrer, ou enfin, c'est quoi le mot ? Vraiment. Pour le reste, tu as dû voir au moins le stream de Bestio pour les outils. Si tu prends la même que moi, ce sera pas grave, on sera copains en avatar. Oh non, j'ai retrouvé le petit bonhomme curse. Petit bonhomme curse. Ah, mais je fais que le passé parce que je double clic. Oula. Vous l'avez mis où le lien, excusez-moi ? Dans le salon Verticron qui est dans la rubrique archive. Ouais, il est tout en bas dans le Discord. Ah ok, d'accord. J'étais jamais allé m'aventurer. Archive. Jamais aller aussi bas. Et... Aussi bas, ouais. Ouais. Il était un petit peu plus haut. Et vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Super, merci. Ouais. J'ai tendu d'avatar aussi, je reviens. Yep. C'est que ça faisait quoi? Ah oui, ça faisait quasiment un an qu'on n'avait pas fait, ouais. Donc ouais, c'était pour ça qu'il est passé en archive, ouais. C'était un an, quoi. Ouais, mais le temps passe vite quand on s'amuse pas. Bah, on regarde la date, c'était. Ah merde, si c'était un an. Ah si, ouais, carrément. Ah, juste choisir l'avatar plutôt que de devoir aléatoire, quoi. Ok. Est-ce que nous sommes 8, comptez-vous. 1. 2. On est 8. Oh, Gramoule, oh, ce charisme. On sent que tu vas faire des belles choses. Mais je suis totalement largué, en fait. J'ai rien touché. Donc on a dû m'attribuer un avatar tout seul, je sais pas. Et du coup, ils ont choisi le pigeon. Ah, il est magnifique. Un beau pigeon. Ah, mais oui, il est magnifique. Ouais. C'est parfait. Pigeon incroyable. Ouais. L'amour du pigeon. Il a une tête de poule à lunettes. C'est moi. Oui. Ça me ressemble en vrai. Ah, cool. La crête et tout, Nathan. Ouais, pareil. Surtout la petite barbichette rouge. Ah, bah c'est bien ça. Nickel. Ah, il est parti. Ah, bah non. Qui est plus là? Et la soupe, ah bah c'est non. Parti. Mais comment c'est possible? Est-ce que t'as fait en anglais? Ouais. Mmh. T'as remarque. Cliqué malencontreusement sur t'as retour. Stream et t'as fermé les cartes phone. Tu as éteint ton ordinateur. Est-ce que... Ouais, elle est roulante. Ah, c'est bon. Je avec des dents. Ouais, là, tu fais flipper, par contre. Ah, j'ai dit qu'il était curse, hein. Ah, celui-là, il est horrible. Il a juste faim, c'est tout. Il a faim, mais bon, il va peut-être manger ton âme aussi, quoi. C'est du sang, donc il va pas manger l'âme. Allez, Zou, c'est parti. C'est bien connu, c'est du sang, c'est qu'il n'y a pas d'âme. Game 59, comment ça va être possible de vous rejoindre pour la prochaine gamme? Bah, écoute, viens même maintenant, en fait. Donc, à faire... Attends. Merde, ah bah non, attends, faut pas que je fasse comme... Ah putain, c'est le fait de la merde. Non, attends, hop, si on dégage... Hop. Ouais. Hop. Ah ils ont... D'accord, j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient entériné le mode animation. Ouais. Entériné. Et c'est un vieux mot pour les vieilles personnes. Oui, mais je suis jeune. Voilà, qui veut dire officialisé. D'accord. Je me dis genre, immédiatement, il y a la définition qui tombe. Bah, généralement, quand tu dis un mot, l'autre le répond avec... ouais, bah du coup, c'est possible aussi. Venez. Hop. Il fait 3000 degrés, quand même.
Bonjour. Oui. Guillaume. Ah, ça va, c'est pas trop la merde de ton côté? Ouais, un peu, vous êtes un peu dans le continent, c'est un peu une cuve là. Non, ah, moi j'ai du petit 40 plus. Donc, ouais. Ouais, la maison, il y a un, je pense, il y a un petit 27-28 dans la maison, je pense. Là, c'est moi ou t'étais en train de filmer parce que t'es en Bretagne? Non, ça va. C'est la soirée, on a bien pris cher, mais à partir de demain, on perd 15 degrés. Ah oui, c'est vrai que oui, j'avais vu qu'il y avait, changement. En fait, c'est cette nuit, théoriquement, ça va péter à Rennes, mais je ne suis pas à Rennes. Bon, c'est cool. Mais c'est, j'ai quand même récupéré une partie du vent frais, donc... Vous voulez venir en vocal en plus, pour être plus cool? Attends, je vais vous filer le lien du Discord. Sinon, c'est vrai que s'il n'y a pas le vocal, c'est moins marrant. Tu n'es plus à Rennes parce que c'est devenu un roi. C'est pique. Non, c'est la Rennes en plus. Tac. Je suis plus à Rennes parce que je ne suis plus étudiant. Il n'y a que des étudiants en Rennes. Oui. Ou c'était ouais, il n'y a que des étudiants et que des vieux. Il n'y a pas vraiment le milieu. Bah, du coup, tu pourras bientôt y retourner, ouais. C'est ça. Oh, comme c'est pas gentil. Ouais, c'est qu'il est chafouin. Moi, je le connais bien et je peux vous dire en tant que commentateur objectif, Dress est à 15 ce soir, je le sens. Il y a un taux d'indexation de la chafouinitude lié à la température nationale qui fait que Drusk est un candidat redoutable aujourd'hui. Attends deux secondes, pour voir. Il y en a un qui peut pas venir en vocal. Je sais pas si Guillaume il peut venir en vocal ou pas. Attends deux secondes, si après c'est speed du coup. D'ailleurs j'ai pas le temps de dessiner, alors si en plus il faut que je fasse des alta pour inviter les gens, ça va être relou. Bien, je suis pas vocal, mais j'ai très rare mes dessins. Ok, pas de problème. Bon, et bah go alors. Allez, c'est parti. Par contre, évidemment, coupez le stream, enfin, sinon c'est moins rigolo quoi. Enfin, ou laissez le stream en fond, enfin, mais mettez pas le visuel, sinon... Alors ça vous spoil au moins une phrase. Oui, juste l'audio, ça. Regardez le stream en fond si vous voulez tout en écho. C'est ça. Et vous pouvez même envoyer de l'argent. N'hésitez pas à vendre des trucs, acheter des liens, des machins, des... Merde, tu vas afficher une phrase et tout, là. Oula. Écris une phrase. Moi, c'est fait. T'as cliqué sur terminé, toi. je l'ai copié-collé dans mon bloc-notes que j'ai préparé. Oh, mais le mec, quoi. Il ah, bah, oui, mais les gens s'organisent aussi, là. Ah, ouais, écoutez. Qu'est-ce que je vais mettre? Putain, je sais pas ce que. Oh là là. Je sais qu'il y a personne qui a ma phrase va m'adorer. Ah. Je pense que moi aussi là. Hop là. Allez, on va dire ça. Oh. Ben, je n'aime pas du tout cette phrase. Ah ouais. Ah ouais. Merde. Merde. Mais attendez. Je suis en sueur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc là qui est horrible. Faut dire que je processe la phrase. On va faire ça comme ça. Hop. Allez, on va y aller comme ceci. Je suis pas pour ma tête à faire tout ce setup. Hop. Tu crois que après quelques années à faire des illustrations et de jeux vidéo, je saurais dessiner? Non, pas sûr. Non, c'est une illusion. Pourquoi je fais ça alors qu'il y a un milliard de trucs à faire pour le dessin? c'est le refrain de Gartic Fun, c'est. Mais je fais n'importe quoi, c'est pas du tout ça. C'est ça. Mais du coup maintenant, maintenant j'ai plus de temps et il me reste des milliards de trucs à faire, merde. Je sais même pas à quoi ça ressemble, ces trucs là. J'ai passé la moitié du temps à faire cette merde, parfait. Y a qu'un dessin à faire ou il faut en faire plein d'affilés? Il y en a plein à faire. Chaque dessin, il faut écrire des conneries. Et en fait, tu choisis quand tu enchaînes ou faut cliquer sur un bouton? Je comprends pas. Non, en fait, il y a le timer. Il faut que tu cliques dans terminer en bas, mais t'inquiète pas que le compteur qui est en haut à droite va t'interrompre de toute manière. D'accord. Attendez, mais j'ai fait que. Attendez, faut que j'accélère. Ouais, on va dire... Ah mais il faut que j'en dessine deux.
Ah, la tristesse de la réalisation. C'est mort. Hop. On va faire ça comme ça. Non, pas du tout. Non, attendez, attendez. Ah ouais, mais attends. Allez, je... c'est bon. Je suis très content de mon dessin. Non, c'est pas vrai. Ça va, je pense. Je pense qu'on peut comprendre ce que c'est. Je pense aussi, bon, mais bon. C'est quand même pas terrible. Ça va bien ? Pourquoi on remet ça à chaque fois ? La panique sur la fin. J'ai le choix entre ouais. Quelques-uns. Moi, je sais chez qui je suis tombé. Hein. Ou alors, les nouveaux sont des artistes aussi. Ah oui, c'est que du coup... Ah donc là, il y aura 10 faces. Là. Et en fait, tu vois, Gramoule, à chaque fois... Je suis désolé pour celui qui a dû décrire mon dessin. Mais non, mais non. On peut même voir le nombre de gens qui sont prêts. Oui, ouais. Ouais, tu vois le compte à rebours. Comme ça, tu peux bitcher sur les gens qui sont en retard. Non, oh, pas ça. J'adore. Quoi ? J'ai une sensation de déjà vu. Attends, mais non, mais pas du tout. J'adore, je vais tout donner. J'ai un déjà vu d'une ancienne méta, moi. Ouais, pareil, moi aussi, je l'ai vu passer. Je... Ok, quand j'ai dit que j'allais tout donner... Non. Mais c'est excuse. Peut-être pas maintenant, mais un jour, peut-être tu donneras. Alors, du coup, est-ce que tout le monde va se moquer de moi ou pas ? Non. 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 Personne ne se moque de personne ici. Sauf si tu te foires sur un reflet. C'est bien ça le problème. Si, je réponds plus de rien si tu te foires sur les reflets de l'univers. On va dire que c'est ce qui est marqué. Voilà, on va dire que c'est ça. Très bien. Ensuite. Pourquoi ? Mais sérieux, mais... À la fin, je veux des noms. Mince, à quoi ça ressemble de faire ça ? Ah ouais, je sais pas. Ok, je sais. Non mais j'ai pas le temps de me gratter l'œil. Ouais, attends, t'en es là quand même, quoi. Le bras ne bouge pas assez vite, qu'est-ce que je fais ? Eh ben tant pis si je me prends les moqueries, voilà. J'assume. C'est pas grave. Y a pas de copier-coller. Hein. Non. Ah bah faut pas non plus déconner. Je vais mettre un x2, tout le monde va comprendre. Voilà. Je suis pas trop mécontent de mon dessin pour une fois. Allez. On verra comment les carnivores, c'est compliqué quoi. Ouais, bon, ça passe. Ouh, à la seconde. Voilà. Voilà. Ben... Okay. Par contre, les deux avec nous, là, ils ont l'air d'être incroyables en dessin. Ah ouais ? Ouais. J'imagine que c'était ça. Allez. Ah, je peux le dire plus intelligemment. Voilà. Oh, la faute ! C'est un scandale. Bon. S'il y a une faute, on va se moquer de toi. J'ai corrigé. Oh là 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 là. Pour les mots de liaison, alors. Ça y est, je suis arrivé à la vraie méta, ça y est. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors. Mais... Quoi ? Je comprends mieux maintenant toutes les conneries que vous disiez. Ok, d'accord. Mais... Je sais pas qui a encore fait ça, mais... Merci. Merci, la vie. Mais... Hop. Alors.
Hop. Ah tiens, j'ai un bug, je peux plus changer l'épaisseur du trait, ça me fait le petit, quelle que soit la forme, c'est bizarre. Ah. Ah non, je me suis gouré d'outils, pardon, c'est moi, c'est ma faute. Ah. Et dire, essaie d'appuyer plus fort sur ta souris. Non, j'ai pas le contrôle analogique, moi j'ai une souris de pauvre, ça marche pas. Il y a du copier-coller ou pas? Non. Non. Par contre, tu peux modifier l'opacité en bas. Et ici, tu peux. Mais qui fait des bras comme ça? Moi. Pardon. Là. Là, je... Alors, c'est pas du tout ça. On va plutôt le faire comme ça. Je sais pas dessiner cette merde. J'avais plus d'espoir au moment où j'ai commencé ce trait, mais là c'est non. Moins point. Alors, c'est le moment où on s'amuse. Si j'arrive à le dessiner, c'est du génie. Spoiler. Est-ce que j'ai pu? Ça ressemble à rien, mais bon. On va essayer de rendre hommage à la méta. La belle méta. Je suis navré également. Mon truc ressemble à rien. Moi, je suis très très fier. Ah, voilà. Pas exceptionnel, mais c'est principal. Moi j'ai honte, mais c'est pas juste dans le jeu, c'est en général. Donc, Oh la méta, effectivement. Ah oui, quand même. Ah oui, il y en a qui dessinent quand même. Ouais, okay. On peut retomber sur la phrase qu'on avait dit soi-même au début. Non. Non, non. Non, non, justement, il y a autant d'étapes que de joueurs présents. Ouais. Donc, tu es sûr que tout le monde passe par tous les dessins phrases? On est 10, donc il y aura 10 phrases, mais dessin, les couilles. Merde. Non, c'est pas. En fait, on aurait que ça dessiné. Bon, ça s'écrit pas du tout comme ça, mais. Voilà, ok. C'est l'idée. Attendez, mais c'est compliqué, là. Je ne sais plus comment ça se dessine. On va le faire comme ça. Mais ça veut. Si ça veut rien dire, c'était ma phrase. Et c'est ce que j'ai eu. Voilà. Ok. Très bien. Eh ben, merci. Ok. C'est parti. Mais je sais plus, moi. Je trouve que ça marche comme ça, là. Putain, mais je joue pas à ce jeu, moi. Vous comprenez ça? Je joue pas. Non mais oh. Tu dois avoir des références, avoir de la culture. Pff. Je vous jure. Merde, c'est quoi ça? On va refaire ça. Bon, les couleurs, c'est compliqué. Hein. On parle de voir les couleurs. Hop. On va. Oh putain. J'ai explosé. Oula. Ça a failli dégénérer mon dessin. T'as fait un remplissage accidentel. Non, j'ai fait un symbole accidentel. Ah, oula. Ah oui. Attention, hein. Pardon. C'est qu'on vit des temps troublés, c'est pas le moment de... Enfin. D'aggraver la situation. Oui, tu veux dire qu'on a des amis, etc., mais quand même, quoi. Le moment où ça sonne, je te rends compte... Ah oui, l'autre moitié du dessin, là, oui. Tout à fait. Alors, ce que j'ai dessiné,
soit vous comprenez ce que c'est, soit c'est une MST. Je ne suis pas sûr. Ah oui, c'est que ouais, la forme. Ah bah tiens. Voilà, un dessin très simple, facile à décrire, hein, tout ce qu'on aime. Comme un air de déjà vu. Comment ça s'écrit ? Ok. Ça... Il reste une étape, ouais. Ouais, on va finir par un dessin. On finit en dessin ? D'accord. Ouais. Ok, on va à la fin de la phrase. Qu'est-ce que c'est quoi ? Attends, ouais. Il y a une... Ok. Jerek. Ah, bordel. Okay, c'est le moment où je donne tout. Voilà, il faut. Là. Ok. Alors, je vais le faire dans l'ordre. Je vais faire ce qui est marqué. Et voilà. Oh mon dieu. C'est une erreur. Je sais pas dessiner. Ça va se voir. J'ai essayé, j'ai raté. Il faut pas. Je me chauffais à faire de l'ombrage et tout, là. Tu t'es dit, oulala, j'ai envie de me faire sélectionner par Superinfo, et en fait, non. Et en fait, non. Non, c'est bon, je sais pas dessiner, toi, bien. C'est bon. Oui, je me rappelle, en fait, non. Donc, ça, c'est un tiers du temps, un tiers du dessin. Ok. Ah oui, mais il va falloir que je fasse ça sans que... Ah oui, ok. Non, c'est immonde, hein. C'est immonde. C'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Postule, là, je suis pas faux. Allez, on va dire que ça suffit. Hop là. Hein, c'est très bien. C'est très bien. Tac. Et du coup... Je censure parce que c'est pas cool. Gros rectangle blanc sur tout le truc. Toujours un bon move. Hop. Non. Ok, j'ai 10 secondes pour faire ça. Moi je pense que c'est moche mais que ça se comprend. Principal. Ah, c'est l'essentiel pour gagner ce genre de jeu. C'est ça. Mon frère, qui est un excellent dessinateur, perdait toujours à Pictionary parce qu'il faisait des trucs trop chiadés. Il était dégoûté quand je lui grattais des points avec des trucs dégueux que je faisais en 10 secondes. Vous m'avez gratté un point parce que trop en 30 secondes. Moi, au bout d'un quart d'heure, c'était génial. Mais... Non, mais aussi là, j'étais en train de placer le décor aussi. J'ai pas pu faire l'action. Le mec, il fait un décor aussi. J'ai construit les perspectives à la règle et vous avez déjà trouvé quoi. Allez, c'est parti! Boum, démarrer. Alors. Tournoi de waterpolo. Ouais, j'étais, ouais. Désolé. C'est le waterpolo. Ouais, t'étais énervé. Ouais. C'est un jeu dans l'eau. Ah, donc c'est un des nouveaux qui est un artiste. Oh, okay. Ah ouais. Oh la vache, oui. Ouais, oh, ouais, pas mal, tout, mais ça manque de détails, Guillaume. Tu feras un effort la prochaine fois, s'il te plaît. T'es la souris, mec? Je sais même pas, en fait. Tournoi de waterpolo. Guillaume est en vocal? Les couleurs aussi, pas trop. Non, il est pas en vocal, ouais. Ah, d'accord. Pas furieux, du coup, il est bien. Pas bien, ça. Oh, bien. Ah, Michi, bien joué. Ouais, l'émotion de la compétition. Mais... Un match de water polo. Oh là, waouh. À la droite. Water polo. Ah, il dessine à la tablette, ouais. Ah, le water polo. Le water volé. Je sais pas ce que fait. Je sais pas à quoi ça ressemble, du water polo. Grand moule. C'est du handball, mais dans la flotte, en fait. Je peux pas, okay. J'ai water. C'est ça. Je peux pas, j'ai water. Je te remercie, très mère, pour ce dessin. Ou un ballon.
Okay. Un dessin loué simple au dans la mer, en toute simplicité. Mais voilà, simplicité. C'est ça. Après les dingueries que j'ai eues là dans les souris. Et voilà, on comprend très bien du coup. Oui, Titoff. Il y a Titoff. Simplicité avec un requin quand même. Et un requin. Bah oui. Et un requin. C'est pas un lac, ça. Parce que c'est la mer, voilà. Exactement. Ça serait un lac, il n'y aurait pas de requin. Un chat regarde un film d'horreur. Ah ouais. Je pense que j'ai dû le voir à un moment le truc là, mais. Ah, oh putain. Ouais. Bien, hein. Là aussi, il y a du niveau. Là. Ah ouais, quand même. Ouais. Un chat cri de terreur. Ouais, je crois que ça s'est mal passé, ouais. Bah ouais. Ah bah oui. Ah ouais, ouais. Ouais, ça va encore. Les oreilles du chat. Bâton sans gueule. Bâton. Là, c'est mon meilleur dessin ever. Ah. Oui. Mais je comprends maintenant. Je comprends ce que j'ai reçu, ce que je voyais. Voilà. Oh, d'accord. C'est toi qui m'as tendu cette perche. C'était là le Pikachu. Jaune. Oh. Pas mal, pas mal. Ça va, il a pas encore mal tourné. Au bout de 90% du temps, je me suis rappelé qu'il y avait une personne qui se disputait. Il se fait gronder. C'est dommage, on avait une belle carène là. C'est ça. Ouais. On est resté sur un chat triste, hein. Bon, Pikachu, ouais. C'est une souris, mais. Pikachu, quoi. Pikachu est de l'espèce Pikachu. Non, mais t'es pas le seul, Guillaume, à la tablette. Il y a Christophe qui est aussi. Est-ce que j'avais dit comme connerie, moi ? Plus de pétrole pour la Batmobile. Ah putain, c'est moi qui ai eu ça. J'avoue. Elle a changé la Batmobile. J'ai compris la Batmobile. Oh, c'est la Batmobile old school, quoi. Voilà, vous êtes trop vieux. Vous êtes trop jeune, c'est tout. Au bout d'un moment, là, peut-être, c'est compris. Une chauve-souris jaune sur réservoir. Non, mais Gramoule, tu fais pas d'effort. Une chauve-souris jaune sur le réservoir. Tu l'écris, Gramoule, une chauve-souris jaune sur un réservoir. Gramoule. C'est la première partie, il faut être indulgent. Non, là, là. Là, t'as pas fait d'effort. En plus, on était vieux comme moi. Tu la connais, la vieille Batmobile, quand même. Non, mais c'est pas contre toi, y'a rien de personnel. Guillaume, putain, Guillaume. Voilà, ça a donné une belle vision d'artiste, quand même. Et là, regardez. Batmobile à sec. On est incroyable. Alors là. Turks, comment t'as fait ? Oula. Et là, heureusement, c'est tout qui remet par terre, mais oui, Turks. Batmobile. Un camion qui fait le plein. Ouais, ouais. Ah, voilà. Oui, techniquement, c'est un camion. Ouais. Des camions. Beau camion. Je suis quand même halluciné que le pétrole ait survécu aussi longtemps. Un camion rouge fait le plein. Ça coûte cher. Ouais, c'était pas très joli ce que j'ai fait. Hein. Ah, un camion rouge. On j'ai dit non, on peut pas comprendre. Si je mets la pompe à droite, je vais la mettre en dessous. Alors, Fufu l'a mis quoi. Une figue prend un bain de soleil. Ah oui. Oh, c'est chaud ça. Bah, désolé, j'ai une figue déjà. Rien que ça, c'est compliqué quoi. Ah oui, j'ai en train de manger une figue. Oh non, pas mal. Pas mal, mais j'ai vu un oignon. Un oignon grillé au soleil. Ah ouais, ouais voilà, bon, ça va. Encore le soleil quoi. Oh là là. Ah, VBE, il manquait le soleil peut-être. Ah, c'est pas dans le reflet, j'ai rien dit. Tu vois, c'est une césure d'ombrée que j'ai essayé de faire à la fin. Ah, mais alors moi je l'ai eu un moment le truc. Mais c'est ça. Ah, moi j'ai eu celui-là. Ah, mais l'enchaînement. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que je. Non mais attendez, parce que j'ai eu une phrase. Oui, Guillaume, toujours parfait. Hein. Marqué, ouais, il a pas eu le temps pour le soleil. Et du coup, donc moi j'ai mis... Morte sur toi, j'ai eu ça sur cube de glace. Ah là, sur cube de glace, quoi. Et après, tu vas critiquer mes commentaires, mais sur l'ananas. Cube de glace. Magnifique. Truc, c'est ça. J'ai dessiné ce que t'as écrit, monsieur. Incroyable, avec le petit reflet sur le glaçon et tout. Non, on est bon, là. Un tableau, j'avais qu'un pot et une plante sur glaçon géant. Et ouais, le glaçon, il est... Et voilà, nickel. Bon, voilà. Et du coup, 99% du temps, je me suis rappelé. Merde, un tableau. Le petit trait à gauche. Par contre, Mathieu, attends, mais ta phrase, là. Mais ta phrase, c'est pas possible, hein. De quoi sur toi, l'ananas, sur un cube de glace. Nature morte sur toi, l'ananas, sur un cube de glace. Ah ouais, nature morte sur toile, virgule, ananas sur cube de glace. J'ai pas mis de virgule. Ouais, non, mais... Bastio, il est prêt pour ouvrir un resto super chic avec des intitulés trop chiants. Oui, tu confonds un ananas, c'est un oignon, Bastio. Tu fais pas souvent la cuisine, hein. Ouais. Ça se ressemble pas. Et si, t'es mal fait. Oh. Je m'attendais à des cochons mignons, pas à des cochons terrifiants, je t'avoue. C'est vrai que le cochon, il fout les miquettes un peu celui-là, quand même. Un cochon va à la pharmacie. Moi, j'avais eu ça. Moi, je réponds plus de rien, j'ai transmis ce qu'il fallait. Voilà, un cochon mignon. Ouais, lui, il est mignon, tu vois. C'est un peu à mon gâteau. Un cochon va à l'hôpital. Ah, et en plus, c'est pire, c'est un petit cochon. Ouais. Oh, oui, normal.
Mais il y a que la moitié de l'hôpital. Ouais, l'hôpital. Bien l'hôpital. Moi, j'ai cru que je pensais que c'était une note en fait. On voit le début de la croix et que bon bah pas le temps. Mais non, on note que VDE met plus de temps à faire un dessin sans shade qu'avec un. C'est vrai. Franchement, si à partir de là on revient à l'hôpital, j'applaudis. Gramouillé. Non, il n'y a pas d'hôpital. C'est ça, peut de chanter dans un micro. Jugé. T'avais le Peppa Pig avec ça, quoi. Comment t'as trouvé Peppa Pig? Je suis quand même assez surpris que Peppa Pig ait survécu. Mais... Ouais, parce que là, il y a un moment, il a pris cher quand même. Joli. C'est pas ma génération, Peppa Pig. On pourrait dire qu'ils sont à la pharmacie, peut-être, si on tire un peu sur. Mes devoirs ont mangé mon chien. Oui, bah j'ai galéré un peu et du coup voilà. Alors je pense que moi j'ai eu la phrase de Guillaume parce que attention, on est parti. Un livre de maths. C'est... Ah non, c'était pas celle-là encore. Schématiquement, c'est génial. Non, c'était pas encore celle-là du coup. Visage mal à l'aise, c'est vrai que ça. Ah, il y a le respect de l'auteur, hein. Franchement, il y a la continuité. Et du coup, c'est la phrase d'Aolia que j'ai eue. Un livre de maths décapite un chat scalpel. Et après, on se fout de ma gueule quand on marque un chat scalpel. Alors, j'étais bien emmerdé. Du coup, j'ai fait un livre de maths, j'ai fait un scalpel et puis j'ai remis un chat par-dessus. C'est quoi ce dessin ? Parce que je sais pas. C'est du symbolisme. Calculatrice avec plus la place pour mettre le haut. Attendez, mais c'est comme ça que je me retrouve à la fin avec le. C'est une clope charrou. T'as dessiné une calculatrice avec une clope charrou, je suis désolé. C'est la calculatrice Windows 10. D'ailleurs, on n'a même pas réussi à associer la clope qui officie un charrou. Excellent. Bon, alors, j'ai essayé de faire un nombré et tout sur le téléphone. Ouh la vache, ouais. Oula, j'ai censuré la clope. J'ai eu peur au début. C'est très peur au début. C'est vrai que la clope, c'est de très loin le truc qui me fait moins peur. C'est ça. Il y a eu une demi-seconde de oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, non, c'est bon, sans le téléphone. C'est bon. Tout bien. Ici, regarde, il y a les petits points. Ouais, écoutez. Il est malade un peu, bon bah voilà. T'imagines en plus s'il y avait un cordon, ça aiderait pas. Chaud le exactement. Oui, bah. Une reine tient les rênes d'un reine à reine. Voilà, non mais merci quoi, putain. C'est violent. Voilà, alors, prenez bien note de la différence d'orthographe de chaque terme. Oui, bah, je l'ai pas eu, hein, excuse-moi, la phrase était assez compliquée. Hein alors, bah, c'était une crêpe au beurre. Hein. Ah. Excusez-moi. Un reine qui suit un cookie. Oh là. Mais du coup, c'était ça le truc à un moment. Okay. Bah, du coup, on a récupéré les rennes. Oh, j'ai dit. J'ai ce que j'ai vu. Je me doutais bien qu'il y avait un problème avec les rennes. Voilà, c'est bon. Parfait. Excellente transmission. C'est pas du tout ce qu'on vous a demandé. Mais de princesse ça. Rose court vers le saint cookie. Exactement. C'est parfait. C'est génial. Ah, c'est les ailes qui m'a manqué. Bien joué. Le roi et la reine poursuivent le saint cookie volant. Voilà, on est bon. Hein. On remet en question les carcans du genre, pas de souci. Impeccable, regarde. On est bon. Bon, alors, ce qu'on aura exactement appris. Exactement ce que je voulais. C'est exactement ce qu'on aura appris, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait pas écrire reine ni reine. Ni reine non plus, d'ailleurs. Parce que je rappelle, il y avait 4 reines quand même à la base. Oui, exact. On a déjà perdu 2 reines et c'était pas les bonnes. La lune se couche dans le chat. Ah, voilà. Ça, c'est la vraie méta. Le chien. Bien film. Ok. Il manque un peu le rayon quand même. Mais très la beau. Lune se reflète dans la mer. C'était mon tout premier dessin. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est bien sûr. Voilà. Impeccable reflet, c'est bon. Il y a la grande ours et Cassiopée alors. Hein. Ah non plus. En plus. Ok, ouais. Le chevalier du Zodiac. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, et regarde. Claire de lune RTX. Ah, quel anti-joie. Allez, j'ai trouvé que c'était dans le monde, quoi. Du rétréhi, signe de la lune qui se reflète sur la mer. Désolé, moi, c'est pas très, très artistique. Oula. Yes. C'est pas incroyable. Du tout comme ça, mais c'est très bien. J'aime beaucoup là. Impeccable. On comprend bien. Je vais l'encadrer chez moi toute cette série. Un hippopotame fait la cuisine. Ah, oui, j'aime beaucoup. C'est pareil. Oh, il est trop mignon. J'ai vu passer celle-là. C'est beaucoup mieux que mes cornes, c'est compliqué. Un hippopotame fait de la cuisine. Vous avez trouvé ? Excellent. C'est beaucoup mieux que le mien, parce que le mien, il est moins bien.
Mais Au dernier moment, j'ai eu un problème d'hippopotame. T'inquiète pas, ça passe, rien. L'hippopotame se fait cuire des pâtes. On a encore bon. Au dernier moment, je me suis dit comment tient encore. On tient encore. Ah, là, ça va être fini. On tient peut-être encore. Il a pris un peu un coup de masque à gaz. Et c'est le désastre. Mais c'est pas ta faute. Hein. C'est hippocampe. Il n'y a pas eu d'hippocampe là. Il manque compliqué. J'ai pas compris l'hippopotame en fait. C'est ma faute. Un chien se fait une bohème fondue savoyarde. MMH, c'est bon. MMH, c'est bon. MMH, c'est bon. Une banane dans DBZ. C'est une banane dans DBZ, d'accord. Ok. Voilà. Alors. Je tiens à dire que quand je sais pas, je décris ce que je vois. Séance en Goku fait un Kamehameha par-dessus la banane. Moi, tu l'as décrit. Voilà, c'est bon. Ce qu'on m'a demandé de faire, hein, une banane. Franchement, tu scrolles, c'est presque le même dessin. C'est vrai que le bleu, il est sur les bras. Ah, bien vu. Il une banane avec son Kamehameha. Ah, bien. Belle description. on tient à peu près. On tient à peu près. Comme il se fait étonner par la banane, quoi. Goku tire un Kamehameha, une banane danse le pilote. Oui, t'as reconnu. Trop bien. Bon, on est en train d'ajouter à la définition de Régis. Du coup, moi j'ai oublié la banane, j'avais plus le temps. Oh, bah, bestio. J'ai tout donné, j'avais plus. Super Saiyan fait un Kamehameha. Une heure bouclée sur le. Oh, ah oui. Guillaume. Attends, clique pas. Non mais entre ça et mon chien d'avant, pareil. Même combat. Par contre, on est d'accord qu'il a un collier, Goku, là. Il a un... Non, il a gagné une médaille, là. Son décolleté plus le... Ouais, bref, c'est bizarre. Je sais plus le blason. Bon, bah, c'était une belle session. Fait d'émotion. Bon, je laisse quelques secondes pour réfléchir à la prochaine... Moi, honnêtement, je pense qu'on a fait un grand pas en avant avec ce téléphone. J'ai envie d'aller dans la direction du téléphone. Pitié. Moi j'ai peur pour ma chaîne avec les téléphones. Hashtag téléphonegate. Oui, on continue, t'inquiète pas. Des rats sur un serveur Twitch. Mais il était rouge, le téléphone, pas rose, calmez-vous. Oui, non, mais c'est pas vraiment une question de couleur. Là, d'ailleurs, c'est très connu, c'est la couleur qu'on les distingue. Quand c'est tout blanc, c'est un masseur pour la joue. Exactement. Tout rose, c'est plus un masseur pour la joue. Non, mais bientôt, le téléphone de Dress sur OnlyFans. C'est Pikachu qui va recharger mon téléphone, tu vas voir. Arrêtez de filer des idées. Bon, c'est bon, tout le monde est prêt. Par contre, je suis désolé, mais un téléphone, c'est rouge. Quand tu te représentes un téléphone à l'ancienne, il est rouge. Non, les marteaux. Si seulement si t'es président de la Russie. Est-ce que tu es président de la Russie? Le même type de téléphone avec un gros combiné et le cadran rond, mais noir. Mais non, c'est rouge. Non, c'est noir. Bah non. C'est rouge dans les Super Nana, non? Ça rouge partout. Ça rouge partout. Bah... Ils vendaient que des téléphones rouges à l'époque. Des téléphones rouges. Allez, go, ouais, inventer les genre, autres couleurs en 1995. Parti, exact. Oh putain. En même temps que la peinture. C'est ça. J'en sais rien. C'est bon. Putain. J'aime bien parce que les phrases qu'ils te proposent, bah, elles sont tronquées, tu peux pas voir la suite. À moi, tu peux la mettre deux fois la phrase dans le cas. Du coup, j'ai oublié ma phrase. Zut. Je tiens à dire d'ailleurs, pendant que vous décrivez votre phrase, qu'il y a devant vous un téléphone combiné qui n'est pas rouge. Hein ? Voilà. Parce que c'est jamais rouge un téléphone. Merci. Et j'ai été regarder, le téléphone de Super Nana, il est blanc avec un combiné rouge. Pardon, le truc qu'on tient à l'oreille. Le truc qu'on tient à l'oreille. J'ai jamais utilisé ces téléphones, moi. Moi non plus. Je t'avoue, quoi. Si j'en ai vu, mais. Quand même, Allez, démerdez-vous. Ah bah. Oh putain. Mais je sais même pas les couleurs qu'elles ont. Je sais qui c'est, ça. C'était le rire le plus sarcastique de la soirée. À quoi il ressemble hein. Ah oui, mais j'ai bien fait d'aller Google. Hein. Excusez-moi. Oh, je m'en fous, je vais pas les googler, tant pis. Hein. C'est des couleurs et puis niquer. Tu déconnes, c'est de ton âge, tu sais ça. Ah non, j'aime bien regarder.
Il y a quelqu'un qui a raté sa culture. Faites d'autres choses, moi, monsieur. Ah, non, 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 fais pas ça. Mais il a pas un truc, genre... Je préviens, je sais pas si je réussirai à faire le dessin dans les temps impartis. Je préviens, je sais pas si je peux... C'est un truc dangereux, quoi, il me semble. Non ? Allez, je vais décider unilatéralement que oui. En fait, c'est comme ça. Et si c'est pas comme ça, c'est qu'en fait, les autres ont tort. C'est plus pratique. Voilà. Donc là, on va prendre la décision que tout le monde va reconnaître. Ouais, tant pis. C'est même comme ça, si je dis pas de bêtises. Ah. Et de là, on fait l'autre moitié du dessin, parce qu'il reste un tiers du temps. Non, je le remplis pas, voilà, il restera un vide. Pas le plus beau dessin de ma carrière. Désolé, je peux pas faire mieux. On va dire comme ça. On n'était pas 10 justement, quelqu'un qui a arrêté. Ah. Alors, j'adore. J'ai juste de le voir à l'instant, mais je crois qu'on était 10 justement. Ouais, on était 10. Et gars, oh que... Alors, qui c'est à gauche? Qu'est-ce que... Exactement. Oui, c'est bon. Je décline toute responsabilité sur ce qui va se passer après. Pareil, j'ai décrit ce que j'ai vu. Je ne prends pas de responsabilité. Il y a une sorte de méta qui se met en place quand même un peu. Ouais, tout un univers. Ouais, c'est souvent comme ça les soirées Gartic fans. Quoi. C'est... Non, mais vous me refaites faire du rouge avec mon vrai là. On a le droit de faire une recherche pour capter un terme? Ouais. Oui. Moi je fais pas parce que j'ai la flamme, mais oui. T'inquiète pas, les dessins seraient encore plus pourris si les gens faisaient pas de recherche. Hein. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Non, non, non. On va le faire comme ça. Ok, bah j'espère que c'est bien ça. Tu sais, on a décidé des reines pour des reines et des reines pour des reines, alors... Alors que c'était pas ça, c'était des reines. Ouais. En plus. C'est dire, là. Putain, je sais plus. Oui, c'est ça, si. Bon, c'est pas ça. Ah ça, non, ça. Mais vous... Bah écoutez. Merde. J'ai un truc qui défie la gravité juste pour faire chier les gens. Je sais qu'il y a des gens qui vont râler si je fais ça. Comment on dessine ça? Pas comme ça. Attendez. Je peux lui parler au jeu, mais je suis pas sûr qu'il en ait quelque chose à foutre. Hein. C'est... Le jeu, il en a rien à foutre. C'est ça. Ça va être une catastrophe, je suis désolé. Moi j'ai au moins deux ou trois catastrophes en actif là depuis le début. Je crois que c'est plus déprimant quand tu vois le temps, tu sais que c'est mort. Quoi. je suis même pas sûr de la définition du truc à la base.
Au début, c'est ce que tu penses, quoi. Voilà. Okay. Je suis assez content de ma phrase. Ouais, moi aussi. Bah super, grosse ambiance. Oh la vache. Ah, j'ai pas vu de vache mon côté. Moi non plus. Non, non, mais je vais... c'est moi qui vais l'ajouter, je m'en charge, c'est ma mission. Tu l'ajoutes à la méta ? Ouais, c'est mon destin. Ouais, je fais toujours ça là, bordel. Voilà, nettement mieux. Ça, après, je peux faire ça. Et voilà. C'est un peu comme si c'était mon taf. T'inquiète pas, tu seras pas noté pour ce soir. Alors, je suis pas noté à mon travail. Je tiens à le rappeler, j'ai fini mes études. Depuis 15 ans. Et du coup, les téléphones étaient comment à l'époque ? Pas de cette couleur. Alors, hop, tac. Ah mais non, mais quel con, ça va pas le faire. Non, ce n'est pas le bon outil. Bon, il me reste un peu de temps, je vais faire un oiseau. Le mec, quoi, ouais, t'es comme ça, toi. Et qu'il a trop de temps libre, quoi. C'est vraiment pour le troll, mais à la base, le truc, c'était ça. Tiens, j'ai plus le temps. Hop. Ça va pas du tout le faire. On va dire que sa chemise est de cette couleur-là. J'ai fait ce que j'ai pu, mais pas grand-chose. Hein. Ouais, bah tant pis. Je pense que ça va changer de truc. Zut. Voilà. Attends, je vais essayer de déchirer. C'est un rébus, j'ai compris. Alors. Attendez, on va m'insulter si je fais pas bon. Spoons. Viens jouer avec nous, Spoons. On va m'insulter. C'est pas grave. J'assume. Tant pis. Je pense que tu penses sûrement. Un peu là pour ça, à droite. J'ai déjà eu une phrase qui était juste witch. Ah! Bon, ben voilà, il manquera le principal. Quoi? Pardon? J'ai même pas besoin de savoir qui l'a trouvé, je le sais. Voilà. Si on est sur la même bestio, un truc très métaphysique, très. Ah ben, un petit peu long, surtout, quoi. Ouais, aussi, ouais. Bon, perdons pas de temps, allons-y. Perdons pas de temps, c'est pas trop la méta du jeu. Ah, écoute, moi j'ai décidé non seulement de tout gagner ce soir, mais en plus de le faire en battant un record de speedrun mondial. C'est ça ou rien. Ah, bien. Je donne tout. Ah merde, mais ça va pas marcher. c'est le drame. non, là je suis foutu en fait. Je suis parti sur une mauvaise piste, je m'en sortirai jamais. Ah, fais chier. J'ai envie de faire une bêtise. Je le fais. Oula. Oula.
Ça se plie pas dans ce sens-là, les jambes. Non. Alors, attends, c'est comme ça. Même plus gros. Hop. Truc dans le genre. Oula, oula. Après, c'est genre ça. Oula. Oula. Oula, oula. Oula, 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 oula. Oula. Pardon, tu m'as pas fait exprès. On va dire que c'est normal ce qui se passe. J'ai complètement déréglé le dessin, je suis même pas désolé. On va lui faire comme ça. On se concentre, c'était un truc comme ça. Oui. Et voilà. C'est pas grave si je sais pas dessiner au final. Bah un petit peu, c'est ton taf, quoi. Je suis heureux avec ma vie, j'ai pas besoin de ça. C'est très bien. Bah si, enfin. Je vais pas être déçu quand je... Oulala. Oh putain. What? Ouais, il est joli, le dessin. Merde, modifié. Impeccable, moi, c'est bon, ouais. Ah mais du coup, on termine pas une description, on termine pas pour un oui. Dessin du coup. C'est l'absence qui se fait remarquer. C'est un de moins. Ah oui, c'est la fin, bah du coup je peux me permettre, hop. Moi je préfère quand ça finit par une phrase, perso. Je trouve ça plus drôle. Non, j'ai pas le temps de finir. Et oui, il y a des thèmes qui sont revenus, puis là il y a des nouveaux thèmes qui se créent ce soir. Ça va être un carnage. Tu as raté le reflet de la lune, mais il était là. On a eu le petit prince aussi. C'est partout. J'ai mis quoi moi? Ah oui, le nouveau DLC. Oui. Ah. Alors ça, je crois que j'ai vu. Hein. Ou alors ça s'est très mal passé. Tweet sponsor, hein, bien sûr. Alors moi j'ai fait un twist à la fin. Pas mal. Quelqu'un joue au golf avec ses enfants. Ça va. Mignon. Non. Ouais, Furious, on compte le chemin que. Ah mais non, le club il est pas dans le sens. Oui, bah. On sent que c'est quelque chose qui joue parce que tu sais, tu sens qu'il va fracasser la balle en fait. Attendez, il est rouge le drapeau. Cutter à la base. Non, rien. Les couleurs que tu veux au final du drapeau. Bah, pas grave, bon c'est rouge. Ouais, c'était ma dernière, merci pour les games. Je regarde la Dota. Ok, ça roule, pas de si. Joue au golf. Merci pour la participation. Et puis surtout pour tes dessins incroyables. Il est joli aussi celui-là, le golfeur. Alors j'ai très mal dessiné, mais j'ai mis un téléphone sur le drapeau rouge. Ah. Un mec joue au golf, la balle rentre presque. Les petits détails. Ouais, moi j'ai un peu changé, mes excuses, Michi. Voilà. Mais il joue au foot, il en a rien à foutre. Petite interprétation non. Personnelle. C'est une balle de golf, mais il l'a tiré au pied. Par contre, on pourrait presque. Ah non, c'est un petit lac que t'as fait. Parce qu'on aurait pu penser au DLC avec les petits boudins qui rebondissent en plastique et tout. Ah, mais j'ai pas la méta golf. Mais tu retriches encore à golf with your friend. Oh, incroyable, golf sur rien, quoi. Ça, c'est pour Gramoule. Ça me tue. Ah, joli. MVP. Oh, là, joli, quoi. Merci, ça me touche beaucoup. On a si fait gagner un truc, c'était ça, voilà. Non, mais c'est parfait, on est revenu exactement au point de départ. Ah, non, c'est bien, ça. Par contre, c'est Spoons qui triche. Pour la prochaine soirée Golf Your Friend, j'ai le Game Pass et le jeu est dedans, donc je pourrai vous rejoindre. Mais c'est cool, ça. Enfin, quand même. Nickel, hein. Une pomme mange une tarte aux hommes. Ah. On est toujours dans le concept les devoirs ont mangé mon chien, ça me fait plaisir. Et joli la pomme. Ouais. Un bel pomme rouge toute chibi avec une part de tarte. Bon, désolé pour Chibi, je sais pas faire les yeux mignons. Donc. Ah, non, elle est mignonne. Elle est mignonne, mais elle est pas Chibi. T'as fait le taf. Mais si, elle est chibi. Ah, moi, je vais celle-là avec le petit reflet et tout. C'était on a perdu la tarte aux hommes direct. Une et quelque part, ah ouais, ça. Une tarte aux pommes. Voilà. Sur une typo, ça repartait en homme. Ouais. C'est là que vient l'horreur. Ta belle tête, furieuse sujet. On a perdu le Chibi, là. Ouais, fallait qu'elle mange. Ça fout le fromage oi et tarte aux pommes. Oi. 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 Oui. Oui. Wow. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, c'était très dur. Il s'est passé des trucs là. Ouais.
J'ai lu. Si la mâchoire a été colorisée en pomme, ça aurait été encore mieux. Vraiment. Ah non, mais. D'accord. C'est une pomme, elle était moche. Ah, en fait, il a pas fait exprès. Il avait lu manger une tarte aux pommes. Il a pas vu homme, en fait. Un homme bouche ouvre une pomme et une crêpe sur la tête. Ah ouais. J'ai pas eu le temps, en fait, de finir ouverte, virgule. Non, mais très belle fin ouverte sur cette histoire. ça fait réfléchir. T'as fait exactement. Ça fait réfléchir. Hashtag, ça fait réfléchir. Il y a eu un effort sur les accents. Enfin, c'est... Les super nanas pointent au chômage. Et du coup, les super nanas, je connais pas. Donc c'était drop dès le début. Hein. J'annonce. Voilà. Ah ouais. Alors, j'ai mis un petit S. Hein. Je sais des fois que. C'est eux, quoi. Bestio. Sur les cheveux, mais. Bestio, dis-moi ce que les genoux semblent le dire. Oh, incroyable, Furious. Merci. Merci. Bon, on vient d'en parler. Mais, j'avais... mais attends, mais j'avais les bonnes couleurs. Non, t'as mis au pif, Gramoule aussi. Non, les cheveux. Non, j'ai touché, j'ai regardé sur Google. Non, non, mais les couleurs, elles sont vraiment bleu, vert et rose. Oui, ouais, ils sont bleu vert. Parce que moi j'ai piffé, hein, je suis pas allé voir. Okay. Bah, par contre, les cheveux, c'est bien blond, brun et roux. Les chômeurs font la queue à Pôle emploi. Mais il a pas l'air non plus. Grosse ambiance, en tout cas. C'est le pire jour de ma vie. Grosse ambiance. J'ai fait un oiseau. Je m'excuse. Pour vrai, je crois que j'ai vraiment vu un dessin. Un dessin plus sinistre, c'est terrible. Ça me donne envie de prendre tout de suite. I'm sorry. T'as fait du en tout cas. T'as fait ce qu'on t'a demandé. Super nana, je suis pas super. J'ai pas fait le rapprochement. Des vieux devant un chalet. Des vieux devant un chalet. Parce que pourquoi pas. Est-ce que c'est pas une belle vision d'avenir que les super nanas, quand elles auront plus de taf, finiront comme des vieux devant un chalet. Exactement, c'est conclusion ça. Conclusion douce amère, ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu un fan art de Bastio, Herzog et Gramoud. C'est un peu un quelque part. Ah, quel enfoiré. Vin Diesel fait du drift. Vin Diesel. Ouais, c'est violent. Ah, non, ça vient de là, le vent. Juste que je pouvais. Non. Alors, pourquoi le XXX? C'est un des. C'est le nom d'un film dans le. Ah, Triple X, peut-être. C'est ce qui l'a rendu connu après Riddick. Ah ouais, Triple X. Moi, je ne le connais pas. Donc, j'ai décrit. Une voiture Triple X dérape en faisant des étincelles. Il y a moyen que ça se maintienne. Non, classe. Allez, c'était joli, quand même. Oh, les étincelles, putain. Freinage d'urgence en voiture. Couleur téléphone. Clin d'œil. Les clins d'œil, quoi. Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. J'ai eu ça. La couleur téléphone. Je l'ai fait sur le freinage, pas sur la voiture. J'étais un petit peu pris au dépourvu. Ah, t'as cru que je te la couleur du freinage? Oui. Parce que le frein, ça a une couleur. D'accord. Ben ouais, dans Golf With Your Friends, les balles, elles ont des couleurs de traînée. Hein. Ah, cool. Bien joué, les gens qui sont propulsés. Ouais, c'est vrai. On voit la conversation de Arrête Bruce, que du coup, impeccable. La conservation de mon nom. Clique pas, clique pas. J'arrive pas à descendre. On sort pas mal. Hein. Allez, clique sur télécharger. Dis-moi quand c'est bon. C'est bon. Je sais pas, ma souris voulait pas descendre. Ouais, c'est bon. La molette pour monter sur l'écran. Tirer dessus. La molette remontée de genre d'un cran. C'est toi le meilleur Dresk. Oh, il est cool. Je vais l'imprimer. Il est sympa ton babar, ouais. Je vends un t-shirt, celui-là. Bon, c'est un peu chic ton bar quand même. Ah, bah, babar aussi, il est classe, qu'il est en costard. Désolé, un verre de vin et sa bouteille. Ouais, il est bien. Ah oui. Ouais, là c'est un peu plus la déglingue. Hein. Moi, en 2017, j'ai plus voté pour le premier babar. Hein. La gueule à coups de cocktail. Et au moins, les trois premiers font vraiment une histoire. C'est dans l'ordre de la soirée. Ouais. Ah, je suis cool. Ah, ouais, mais il est pété comme un con, quoi. Il chie trop bien, quoi. Babar complètement bourré au bar. Ah, mais ça continue. On avance dans le temps. C'est la suite de la soirée. Ah, oula. Et il est revenu sur un gentil. Et du coup, on est bon. La boîte de la bière. Voilà. Ah. Il a retrouvé sa dignité. Hein. Juste attends. Il faut couper après Babar complètement bourré. Hein. Et là, on a l'histoire, quoi. On a la progression. C'est quoi, depuis les classes, et puis bon, bah, au fur et à mesure de la soirée, voilà. Sur la fin, le Babar, il y a de l'alcool, les enfants. Titanic avec une boule disco. Ah, d'accord. Okay. C'est donc ça. Ah ouais, c'est sympa. Non, bien l'ambiance. Au-dessus du Titanic versus iceberg. Versus iceberg. J'avais peur que sans l'iceberg, on reconnaisse pas le Titanic. Bien. J'aime bien parce que dans vos images, on a l'impression que le Titanic s'est garé sur l'iceberg, il bouge plus. C'est ça, il est bien.
Il est bien, il est posé. Le Titanic a trop bu à la discothèque. Ah, est-ce qu'il y a un lien entre Babar et le Titanic? Pourquoi il a trop bu? Est-ce que Titanic, en vrai, c'est Babar? Ou la Stu, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, je sais ce qui s'est passé, parce que c'est moi qui l'ai détruite. C'est la fête, on boit du vin téléphone, mais Titanic. Ah, mais c'est ça, le vin téléphone. Ok, du coup, bon, j'étais un peu en panique. Alors, j'ai eu le retour de la boule disco sur Titanic, quoi. Si à vous. Et j'ai mis le téléphone sur la bouteille de vin. Oh, bah là, magnifique. Mais c'est vrai que j'ai pas fait rouge. Compris. Tu précises du vin téléphone, mais tous les vins sont couleur téléphone, donc je comprends pas. Un navire sombre devant un soleil cookie. Soleil cookie. Soleil. Non, c'est vrai. Le soleil cookie, c'est le nouveau nom pour la boule à facettes. Oui. Mais par contre, un navire cool, le Titanic, quand même, très mer. Pikachu attaque tonnerre. J'y réfléchis, mais j'avais pas. Il manquait l'iceberg, en fait. Ah, mais c'était juste Titanic attaque. Pikachu attaque tonnerre. Okay. Bah, ouais. Titanic attaque tonnerre, oui. C'est ça. Titanic attaque tonnerre. Titanic attaque tonnerre. Pikachu Super Saiyan, pas content. Ah, oui, c'est la méta. Ah, bah, j'ai eu celui-là, du coup, mais j'ai eu le Pikachu Super Saiyan. Ouais. J'espère qu'à la fin, il fait un caméra. Hein. Sur une Pikachu banane. Très énervé. Sur une banane. Yes, il est ah, il a hésité à être énervé quand même. Hein. Il sourit quand même un peu. Quoi. Il est un peu vénère, mais. Il y a l'imote énervé de. Ouais. Pikachu en colère. Oula. Il est en colère. Ah, c'est Pikachu après deux ou trois Pikachu verres, je pense. Ouais, ouais. En colère. Visage mécontent. Visage mécontent. Visage mécontent. Je dessine pas très bien, on est d'accord. Non, mais c'est. T'inquiète pas, Tremer, c'est la méta barre. C'est. T'inquiète. Speedrun de Celeste. Ah, ça, c'était. Alors ça, je. Ah, oui, non, bah ça, je l'ai pas eu, ça. Ah, mais si, ah, non, mais okay. Qu'est-ce que je fasse, j'ai jamais joué au jeu ni rien. Voilà. Ouais. Non. Est-ce qu'on appelle le désespoir? Non, on est pas mal. Il y a la montagne, il y a le World Record, il y a le personnage. Non, on est bon, là. Il y a des plateformes. WRC 10. Il y a comme un goulot d'étranglement. J'ai cherché WR sur Internet, j'ai trouvé des motos. Donc, j'ai essayé de dessiner un truc qui ressemblait vaguement à une moto. D'accord. C'est bien, moi, j'approuve. Ok, je comprends ton désespoir quand tu disais, mais qu'est-ce que je sais pas s'il faut que je dessine. D'accord. Jeu vidéo en 2D de BMX. Et moi, j'ai vu ça. C'est Céleste. Ouais, j'ai vu ça, je fais une vidéo de BMX. Ouais, c'est Sanders, okay. Mais un peu différent. Alors, c'est là où on va peut-être me juger. Trial Racing sur Sega. C'est une manette de Sega. Non, c'est bien. C'est vrai que c'est. Mega 6 boutons, ouais. C'est Mega, mais c'est vrai. Oh, olé. Ah ouais. Oh, ah, puis avec le Sega, oh, qui est... incroyable. Incroyable. Un jeu de motocross Sega. Et voilà, on est bon. Impeccable. On est d'accord que c'était une manette Sega. C'était une manette Sega. Ouais. C'est plus fort que toi, exactement. Bulma et Homer Simpson. Ah, mais c'était Bulma. Ah, c'est je vais dû chercher, je me rappelle plus la couleur de ses cheveux. C'est qui Bulma? Eh voilà, c'est. Mais du coup. Alors, du coup, non, il n'y a pas de perte, j'y pense. Moi, j'ai complètement une perte à la fin. Bulma, c'est la meilleure amie de Son Goku dans Dragon Ball Z. Mais en fait, moi, j'ai mal dessiné des femmes. Et du coup, j'ai dessiné un genre de Bulma, quoi. Ouais, effectivement. Ah ouais. Viteuf, Papa Simpson et un gay peu. Aux cheveux bleus c'est à un Bulma, gay période bout de mer. Ah là là. C'est ma faute. Hein. Et on non, c'est pas moi je me suis dit que c'était probablement de match. Ah du coup, les... Ah mais c'est pas bête, c'est pas bête. Aussi, très bien, bien vu. Simpson amoureux. On va suffisamment mal dessiner Marge pour revenir à Bulma. Non, c'est. Non, c'est bon, on y est là. On a encore Marge. Homer tient la main à Marge. Léo. 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 Là. J'ai été pris de court sur la fin. Mais du coup, tu as un spoon, ça, là hein. Oh, y a spoon, ouais, pour venir avec spoon. Ouais. Bon, j'ai plus de phrases. J'en ai plus que 3. Je vais pas mentir, j'en ai pas encore une seule pour l'instant. Qu'est-ce que je vais mettre? Oh, je sais. Je suis en zombie, je promets rien. Bah, c'est pas grave, t'inquiète. Voyons.
Je vais tenter un concept. Doudoum. Ouais. Bon, sympa son emote à Spoon, ça. Ah, l'avatar, là. Non. Spoonzito. Ah, on a eu un Touloum Discord. Un quoi? Ah bah non, mais c'est, je suis bête, oui, c'est Spoon qui arrive, non? Bah, je pense. Non, c'est l'inverse, non. C'est un Touloum de départ. Ah. Ouais. Ouais, Michi est où? Ah, Michi est là. Enfin, il... Michi est là. Ah oh, bah c'est Sals qui a parlé. Oui, c'est ça, il y a un M, un I, ça, je... Non, c'est ça, c'est toi. C'est Sals. Ah, mais Spoon qui arrive. Oh, il y a plein. On n'a jamais, vu Sals et Spoons dans la même pièce. Hein. C'est, ah ouais, c'est pour ça, du coup. Bah, Sals, ah. Elle est où, attendez. Plus dans le la partie. Ah. Mais... Problème de l'internet. C'était peut-être un départ. Je sais pas, elle est qu'au Discord. On a... ouais, l'aurait dit, du coup, si elle déportait, je pense quand même. Bon, si je le fucked up tous les trucs, c'est normal. Ouais, pas de soucis. Dans la barre des tâches, le Gartic Phone, il ressemble au logo Twitch, ça me perturbe beaucoup. Alors que s'il était rouge. Comme les téléphones. Bah oui. Je crois qu'il faut que tu leur écrives d'urgence parce que ça a l'air très important pour toi et on peut pas te laisser comme ça. Il faut que Gartic Phone réagisse. Bah ouais. C'est une priorité absolue, je pense. La prétention d'origine n'était pas de dire qu'il y avait des téléphones rouges, c'est que tous les téléphones étaient rouges au départ. Oui, oui. Après, il y a des comptes designers qui se sont mêlés de l'affaire. Et... oui, ils ont fait des croisements interespèces et tout, c'est comme pour les fleurs et les exactement. Animaux, mais le téléphone originel, il est rouge, comme les Babybel, hein, c'est pareil. J'ai une idée. En fait, la Bakélite, on peut l'avoir en blanc. Non mais tu déconnes, on peut pas faire ça. Le mais si, tu vas voir, ça va être super. C'est autorisé seulement. Et du coup, elle revient ou pas? Bah, j'ai pas de nouvelles. Oh. Merde. C'est dit dans soirée multi. Non. Gartic. Il se dit beaucoup de conneries dans le Gartic, mais surtout parce qu'on dessine mal. C'est vrai que les petits gifs finaux, ils sont quand même incroyables, quoi. J'ai dit que je vais faire quoi? Je pense qu'il y a des gens qui ont douté que Tremere pouvait être un clan de vampires. Bah, c'est juste pour être sûr que c'était bien pour ça. Parce qu'en plus, ce qu'il a demandé, c'était Cactus qui est ultra fan de vampires. Juste avant de geeker sur le nom du clan, est-ce que je peux te demander si c'est le nom du clan? C'est quoi? Non, je sais pas, c'est Cactus qui dit. Qui oui. Va sûrement geeker comme un dingue dès qu'il va se rendre compte qu'il y a d'autres fans de vampires dans la salle. Oui. Mais il y a Cactus qui est passé? J'ai rêvé? Non, il a mis une question dans le général. Là. Mais il n'y a pas de Cactus d'ailleurs ce soir, comment ça se fait? Ah, pas encore, tu peux. Il y a peu de cactus, il y a pas eu de petit prince non plus, enfin pas vraiment. Il y a un végéta petit prince. Un végéta petit prince, ouais. Je vais réussi à finir ma campagne de vampire de 3 ans et demi. Ah bah c'est cool, vous avez réussi à boucler ça finalement. Ouais, nouveau record et d'ailleurs première campagne que je finis en bonne et due forme. Bravo. Il n'y a pas 3 joueurs qui se barrent et enfin, c'est voilà. Ah mais ça c'est toujours galère, ça, boucler les campagnes. Bon bah j'ai pas de nouvelles hein, de ça. Ouais. Merde. Bon bah du coup on va refaire une sans elle alors tant pis. Ça ressemble à une déco. Tout le monde... Ah putain j'avais une phrase, je l'ai perdue. Ah. Et là les poufs, elle a disparu. Ouais. Vite, cours, faut le rattraper. Et ben les ouf. Merde. Ah oui c'était quoi la phrase moi? Ah si c'est bon. Ah mince, elle est due. Bah zut, on vient de relancer du coup. Bon, bah... Ah, parce que. Elle devait s'occuper de ses pépettes. Ah oui. Ah, il faut relancer? Non, bah je. Tu veux. Écoutez, on n'a pas vu les phrases là. Oui. Je veux te relancer. On va te relancer, mais on peut ou pas? Bah, il faut que tu recrées une game. Qui était en recrée une game, c'est pas grave. Ouais, mais oui. On ferme le. Si, très bien. Ouais. Ok, on ferme le truc okay. Et on rouvre, c'est ça? Bah, il va peut-être falloir que je recrée. Ouais, du coup, ça sûrement créer une nouvelle room. Hop, hop.
Du coup, invité. Tu nous le remets dans ouais. Le chat Idouane. Non. Il est très perturbant le chat d'ailleurs, parce qu'il y a des gifs partout qui clignotent. Qu'est-ce que c'est? Didou, 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 didou. J'ai utilisé la technique pro là, de copier-coller le message depuis un bloc-notes. Eh ouais. Ah, du coup, Gramou, il a changé quoi. Avant, c'était un pigeon un petit peu amorphe comme ça. Maintenant, c'est un ours des gringos. Ah ouais. Là, je. Je crois que c'est l'exemple de Babar qui m'a inspiré. Et... Je pense que t'as pris. Il a step up son c'est game. C'est ça. Il a pris de la confiance quand elle s'est dit bon, allez, je prends 3 Moritos et j'y vais quand. C'est parti. Fini de jouer. Ouais. Là, c'est sérieux maintenant. C'est la compète. Mère aussi, c'est investi, devenu une glace avec un tuyau. Ouais. C'est. Il arrive ben, je sais pas en fait. C'est vrai que du coup, là, je marquais, elle devait s'occuper, mais. En fait, on a tout recommencé, mais ça sert à rien. Cible. Sa phrase était au passé. Oui. Et je devais m'occuper. Donc, sous-entendu, j'ai fini de m'occuper. En toute amitié, bien sûr. Ah, ça fait longtemps. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, j'ai inversé mes onglets maintenant, à dire que je les confondais, ça va être... Je crois qu'on va faire sans elle quand même, parce qu'il y a du... Il y a plus de nouvelles. Bon bah ouais. Tant pis, on relance. Allez go. Elle va revenir pendant qu'on écrit notre phrase. Ouais. Eh ben tant pis. Je soupçonne d'attendre que ça lance pour remarquer. C'est sûr, c'est de l'anti-jeu, c'est scandaleux. C'était sûr. Oh, ma phrase est trop longue. Oh putain. Ah. Ouais, j'ai compté les caractères. Ah ouais. Oh, ouais putain, ça joue pro quand même. Ça joue au niveau, c'est impressionnant. J'ai utilisé des maths. Waouh. Et ils ont mangé ton chien ou pas? Avec un scalpel chat ou pas? Chat ouf, s'il te plaît. Avec une clope chat. Avec une clope chat. Le dessin va être très compliqué. Oh yes. Oh putain. Bordel. Toi, je te hais. Je sais pas qui t'es, mais je te hais. Ça doit être moi. Ah, oh, mais je sais pas, on peut choisir la couleur qu'on veut. Regarde là. Ah, t'es pas obligé de dessiner tout en noir? Oh, j'ai la ref. Non, mais tu peux. J'ai la ref, mais je sais pas comment le dessiner. Déjà Ouais. J'ai jamais fait gaffe si tu cliquais directement sur le... Ah oui, bien sûr. T'as un sélecteur. Avec, si tu regardes bien à gauche, une pipette. Qui permet de dessiner. Ce qui fait que si t'as fait de la transparence, tu peux récupérer quand même la couleur. Tout ça, la pipette quand t'es dans le sélecteur de couleurs, tu cliques sur ta couleur. Après, tu peux... T'as une à tous les coups, t'es sur Chrome. Non, bon, presque, je suis chromium, mais... Ouais, voilà, bah, moi j'ai pas. Tu n'as pas la pipette? Non. T'as comme le mec qui triche, il a une pipette, quoi. Bon, après, horrible, je peux la récupérer horrible sur la console développeur et tout, mais on a pas de temps. Si, franchement, t'as le temps, hein. Il est trop court pour avoir une pipette. Ouais. Bon, je sens que je vais devoir changer de couleur, sinon on va dire que c'est du caca. Ah, le caca. Le caca, c'est rigolo. Mmh. Caca, c'est délicieux. C'est une ref, hein. Le caca, c'est ça puissant. Putain. Pas trop mal, mais j'ai pas eu le temps de tout faire, c'est con. Ah merde, je l'ai fait en transparent. Oh, terrible. Je dois repasser sur mon trait. Oui. Ah, il a un certain style, mon dessin. Bordel, ça prend les trucs. Merde. Non, faut que je passe catastrophique. Merde, putain, j'ai Google, j'ai pas. Okay. Merde, non. Je
J'ai oublié un truc, mais je ne sais pas quoi. Tant pis. Regarde ton dessin, voir si t'as oublié. Il a oublié de dessiner. Ah, c'est donc ça. Ça arrive. Alors, j'ai oublié une partie pour me faire comprendre, mais je pense que ça peut marcher. Wow. What the... Attends, quoi? Oui, d'accord, mais c'est... ouais, c'est ok. Médecin, on repart sur une méta. Hein. C'est très méta quand même. Ah merde, c'était pas, putain, en plus je me suis gouré. Oh merde. Oh là là. Non, mais qui a... Non, mais attendez. Vous déconnez, là. Ah non, mais il y a trop d'éléments, là. Bon, ma phrase avait énormément d'éléments aussi. Ah, vous déconnez, vous avez fait des trucs aussi pires que moi. Il y a que moi qui fais des phrases pires. Attendez, mais il manque... Je comprends pas. il manque des mots là, non? Mais il me semble. Hein. Attendez, mais la perspective, comment on fait comme ça? Ok. On va au sujet principal de cette merde. Ouais, la perspective, on reviendra. Alors, rien à foutre de la perspective, mon petit pote. Bon, voilà. Et putain, l'autre, j'aime plus comment il est. Tu veux peur parce que tu n'es pas là. Ouais. Mais tu n'es pas. Hein. Moi, j'ai envie. Oh là là, qu'est-ce que j'ai. Il faut que j'en fasse un deuxième, là. J'allais le faire dans l'autre sens, mais la perspective allait être. Je vais le faire dans un sens, c'est déjà pas mal, quoi. Problème à tien, je pense. Comment ça se dessine, ça? Et dire mais à quoi ça ressemble déjà cet animal, et on ne sait pas, c'est ça le principe. Un dahu. Ou t'es bien du Rhône, toi. Ah, de la Loire, du coup. Putain, le monstre de Stéphanois, ça. Catastrophe. Oh. Oula. Ouais, il est joli celui-là. La recherche Google rapide. Ok. Oui, mais je sais pas qui l'a dessiné, mais il est tout mignon. Ah, je mets ça sur Michi. Ouais, oh je te déteste, toi. What qui a décidé ça. Moi, je pense que l'énoncé, je pense savoir qui a balancé le thème, là. Ouais, je pense savoir où on en est. Moi, je te déteste, voilà. Je vais le faire, hein. C'est réciproque. Ouais. Moi, je sais pas ce que je vais faire. Je t'aime pas non plus. Je t'ai jamais aimé, d'ailleurs. J'aime pas ta... Ah non, non, quoi faire. C'est le plaisir que t'en parles, parce que ça fait un petit bout de temps que je vais te le dire, je t'aime pas. Bah on est là pour tout se dire, hein, c'est une soirée vérité. Merde. Moi je vous aime tous, voilà. Bisous. Nous aussi. Je vous aime tous, sauf Erzor. Parce qu'il critique les téléphones. Les téléphones, je dis qu'ils sont pas rouges.
Alors, ce qui est marrant, c'est que je voulais dire Trickit, mais je me suis mangé sur mon mot et j'ai dit critique du coup. Putain, j'aurais jamais dû faire. On a dit quoi sur la perspective? On en a rien à foutre, c'est ça? Hein, parce qu'en fait, je me suis emballé, j'ai commencé à faire un truc, et après, je me suis dit, tiens, en fait, le machin que je dessine, bah. Il a une position un peu merdique maintenant. Hein. Perspective est une illusion. Ouais. Perspective clinique, sa mère. Sraikel, il est comment lui? Il est comme ça. Ouais, il y a un truc dans le genre, là, comme ça. Là. Attendez, mais il est incroyable ce dessin. Ah, au niveau de la perspective, par contre, ça. Ouais. Et c'est le drame. Ils sont. Et c'est le drame. Oups, j'ai oublié de lui. Voilà. Ouais, bon, allez, hop, on valide parce que là. J'ai voulu faire deux points pour les yeux, je suis rendu compte que je me suis raté, c'est dire. T'en as fait quatre? Non, non, c'est juste 10 de moche. Hop. À quoi il ressemble ce con déjà? Ah oui, si, ok. Dans le genre quoi, hop. On va faire le principal. C'est comme ça, et comme ça. Et au-dessus, c'est ça. Oula, oula. J'ai pas le temps de ça. C'est qui ce con déjà? C'est... Il est incroyable ce dessin, je l'aime énormément. Je sais pas qui l'a fait, mais je l'aime énormément. Je pense que c'est un très beau commentaire politique sur la situation actuelle. Ah merde, ça. C'est bon, oh putain, c'est quoi ça? Mais je sais pas qui c'est, moi. Wouah! Ok, donc. Attends, quoi? Ok. C'est parti. Oula. Non, j'ai pas envie. Je sais pas faire ça. Hop. On va dire ça. On va dire. Ça va être douteux, ça. Ça. Est-ce que je me commit? Allez, je me commit. Eh ben, c'est un drame. J'aurais pas dû me commit. C'est une catastrophe. On va dire qu'on a tryhard et que ça s'est mal passé. Ah ouais. Le drame quand il a voulu faire une main. Les mains, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Pas dessiner des mains, c'est pas bien. Mm. Oui, les gens vont comprendre ce que c'est. Pas de soucis. Ouais, voilà, je vais te miser là-dessus aussi. De toute façon, la perspective, on avait dit quoi? On en a rien à foutre. J'ai vraiment très mal cadré mon dessin. Ah, bah, désolé, je viens de faire un peu de perspective là, désolé. Voilà, pardon. Allez. Attendez, mais j'ai fait. La moitié. Non, ça va aller très vite pour l'autre. Il traite facile 10 secondes là, je pense. Easy. Allez, hop, hop. Ouais. Et voilà, il manquait un truc. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Ouais, c'est bien, attends, personne n'a besoin d'écrire ce que j'ai fait. Mais c'est plus rapide, c'est plus rapide que la dernière fois le timer ou quoi? Non, du tout. On est moins.
Ah, ouais. Pardon. Non, j'ai... Oui. Non, pour dessiner. Finalement. Non, c'est pareil. Ouais, on est que 8 en fait. Je le ramasse. Je pense que... Là, mais par contre, la durée de chaque descente devrait être la même, je pense. Ouais, un pingouin qui pêche sur la banquise. C'était cool comme identité. Ouais, c'est bien. Ah, ouais. Bien resté. Presque. C'est arrivé juste. Ah merde. Ah, par contre, du coup, c'est en automatique parce que vu qu'on a créé une nouvelle partie, parmi les paramètres par défaut. Là. Oh, il est c'est classe, Pingou. Ah, je suis déçu parce que du coup, j'ai mis plein de smileys débiles pour qu'elle fasse village malaise. Ah. Oh. Oh, il est incroyable. Merci, je suis amoureux de ce dessin. Il est trop bien. Ah, il est cool aussi le pingouin là, tranquille. J'ai compris que c'est Falling, c'est nickel. Merci. Ah, j'ai une collection de pingouins. C'est mon nouvel animal préféré. Joli. Impeccable. Un pilon du pain au petit vieux. Ah, c'est dingue. Ah bah oui, c'est malin. Tu verras qu'il a pris un petit peu de galon, le pigeon, sur la fin. Oh. J'ai pas pensé à le formuler comme ça. Un gros mais pigeon. Le pigeon, il a dessiné à peu près la même chose, en fait. Ah, oh, classe, hein. Il est vraiment très proche. Ouais. Ah. Non, bien. Waouh. J'aime beaucoup... la dégaine du pigeon, j'adore. J'aime bien la bouche, sous la bouche. Ah. C'est ça. Attends, il leur jette, il les engueule en même temps, c'est merveilleux. C'est ça. Il leur vomit. Il leur crache dessus. Bah, c'est le plus politique de tous, hein, celui-là. Il est pas... Ah, voilà, bien. Ah, le mammouth, il est pas resté. Mais il C'était chaud, là. Je savais plus comment je décidais. Ah, mais il est resté un petit moment. Ouais. Ah, mon dieu, merci, c'est resté mot pour mot. Ah non, bah du coup, c'était... Okay. C'est comme ça. C'est celui de Christophe, alors. Ok. Ah, trop bien. C'est ça que j'ai trouvé tout mignon. Hein. Il est resté, la phrase, elle est incroyable. Ah ouais, là, elle est bien. Non, mais... j'ai oublié, là, le cactus est là. Tu retires ton rire, là. Ah, bah non, mais bien. D'avoir triste soif dans le désert, mais il y a qu'un cactus. Ah, le... C'est trop mélancolique pour moi. Ah, du coup, on est parti sur le bazar. Ouais. Celui de... Franchement... Le petit mammouth tout mignon là. Ah, il était classe, hein. Son du goût humain avec une olive plantée. Ah ouais, non, bah, d'accord, oui. Ah ouais. Et du coup. Bien joué, Spoons. Et du coup, c'est que je suis reparti sur la méta, mais en fait, c'était pas une tomate, c'était une pomme tout à l'heure qui mangeait des âmes. Je suis bourré. Forcément. Ah bien, nickel. Il n'y a plus la petite olive. Ah, c'est compliqué. Hein. Le monstre burger aux yeux tomates. Ah, mais... oh, merci d'avoir reconnu les yeux tomates. Ah ouais, non, nice. Trémère, ton dessin il est incroyable, je l'adore. Ah, il est classe, hein. Ouais. C'est classe quoi. J'aime bien parce qu'il y a quand même la flèche bleue. Non mais ils vont là. Oh, il est trop beau. Ah, la perspective. Énorme. Michi qui drop le game et qui met la perspective. Ah ouais, avec les yeux tomates. Au retour de la perspective, désolé. Non, avec les yeux tomates et tout, bien. C'est un scandale, mais on adore quand même. On a même un stickman. C'est cheaté, mais c'est magnifique. Un coup de pied de belge de Reddy Bravo. Il y a un thème récurrent. Ah, tu vas voir, le Bravo en plus. Ah oui, mais c'est là où la perspective. Ouais. Ah là 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 là. Un 4-4 belge dans WRC10. Ah, ah d'accord. Il n'y a pas la ref. Hein. Ah, ouais, j'ai... Ah, il y a Juve. Retour du téléphone. World Rally. Ah, bah moi j'ai eu celui-là. J'ai le World Rally Championship, 10e du nom. Du coup, j'ai mis le bravo quand même. Bravo. Parce que, là... Ah, bravo. Jean-Michel, c'est bien. J'avais pas la ref. Hein. C'est un jeu de course de ma vie. Moi j'ai paniqué. Hein. Non, bah. Oh, Classe. Oh, la vitesse. C'est à la vitesse. C'est ça, c'est au game gear. Par contre, on en parle de la voiture ou pas? Non, on n'en parle pas. C'est un téléphone, ça? C'est un téléphone. Clavier a une touche avec une... Oh la vache. Je viens de comprendre du coup ce que j'ai dit. Ah, c'est violent. C'est comme ça que tu as des cubes, bien sûr. C'est pour ça que c'est un cube. Ah, ok. J'ai écrit quasiment la même... Attends, non, j'ai dit quoi? Le dessin est identique. Hein. Ah, non, c'est classe. Ouais. Bon, moi, j'ai... Voilà. Sucre en cube, ah, sucre content. Ah, ouais. Mais moi j'ai eu les sucres et du coup, voilà, vous allez voir. J'ai lu pas content. Donc. Non, mais pas mal. Voilà, du coup, moi j'ai mis le sucre vénère contre un sucre mexicain, quoi, normal. Yes! Là, on s'est yes. Terminé cette série. Magnifique. Là, on est bon, quoi. Bon, j'ai un peu raté la touche, par contre. On a perdu la touche, mais bon. Ah voilà, moi j'ai eu ça au début quoi, et là... Ah, donc je l'avais presque. Et là j'ai mis, voilà, j'ai... Ah on a dit, je... Incroyable.
Stéphane Pirate au clair de lune, sans mer. Putain, on y est. Il est classé, lui aussi. Trémère qui transcende toutes les étapes et les embûches. En séance sous la... Il est resté ici. Oh, excellent. Ah ouais. Yes. Et, cool, et on a un peu le reflet dans le téléphone, du coup. Téléphone, couleur téléphone. Couleur téléphone. Et non, la mer est revenue, non. Bien, nice. C'était Saitama. Ah, ah ouais. Saitama. Alors, je vais pas mentir, il est parti. Ah ouais, bah du coup, j'ai dû avoir le. C'est bien sur le crâne, c'était un détail important. Ouais, moi, une punch. Mais bon, je sais même pas qui s'appelait Saitama. Ah oui, en plus, tu saurais du ça. Ah oui, c'est Bruce Lee en face. Pour moi, c'est transformé en Bruce Lee. Fighto. Ah ouais, ouais. Bon, il y a un peu plus de dynamisme dans mon image, quoi. Bon, c'est Superman. Ah bah, du coup, on a Bruce Lee maintenant. Et moi j'aurais dit Johnny Cage, tu vois, comme ça, avec la peinture. Ouais. Alors, oui, Superman, je l'ai fait en 4 secondes. Ah non, mais. On sent que t'as. Sur le torse, il a deux... on reconnaît. On sent que t'as. Ouais. C'est ça, on sent que t'as tout misé sur Bruce Lee, quand même. Ouais. Et pourtant. Et il est cool. Ah si, il y a même eu les petits tétons et tout, quoi. Putain, j'ai pas le droit, hein. Je vais faire strike machin. On a dit, on peut pas montrer les tétons. Ah, mais là, c'est les tétons de Bruce Lee, on peut. C'est vrai, on peut. Je vais chercher à boire le temps qu'on cherche une fraise et on relance. Ah, il faut boire de l'eau, les enfants. C'est la canicule. C'est exactement ce que je suis parti me chercher. Je te remercie pour ce message diététique parce que j'avais envie de suivre l'exemple de Babar, mais j'ai pas de bouteille d'alcool chez moi, donc comme j'ai de l'eau, je vais plutôt m'hydrater de cette façon. C'est mieux. L'histoire de Babar était quand même incroyable. Ah non, mais la partie, j'irai, tu sais, j'étais déjà fan de Babar avant, c'est mon héros. Maintenant que j'ai vu son visage le plus destroy. Bon, il faut une phrase. Ouais, ouais, comme tu dis, ouais. Oh, je l'ai. Hop, c'est bon pour tout le monde. Oui. Eh ben, c'est parti. Allez. Paf. Allez, j'en ai marre d'être sympa. Oh oui. Non. Ah oui, c'est tard, là, on commence à être usé, donc c'est le moment de lâcher les gros dossiers. J'ai pas dû te demander de mettre 10 comptes de plus. Moi, je fais un truc tout simple et tout mignon. Ouais, moi, ça va. Oh, ça va. D'ailleurs, je veux pas avancer, mais le téléphone, il est bleu comme ça, regarde TikFan. Oui. On l'a déjà dit. Ah ouais, merde, j'étais pas là. T'es sûr que t'es pas daltonien? Ah oui, voilà, on s'est lâché, là, effectivement, c'est la fin de soirée. Ok. Quelqu'un est tombé sur mon truc? Ouais. Ouais, ouais. Moment toujours magique où tu dessines un dessin et tu te dis mais pourquoi je fais ça déjà? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Non, je voulais vraiment venir. Non, je crois pas. Hein. Ah, ça y est, c'est ma tablette qui déconne, qui garde le bouton appuyé quand je me déplace et je peux plus lever le crayon. Ok, alors. J'aurai jamais le temps par contre, Ardor.
Ah oui, alors attends, il y a marqué ça dans la description, donc je vais devoir le faire. Voilà. C'est le concept du jeu, c'est qu'il faut que je... Voilà. C'est mieux. C'est peut-être inversé ces couleurs-là. La méta s'épaissit. Et merde. Où est-ce que j'ai fait un trou? C'est là-haut. Ça va aller très vite celui-là. Ouais, ouais, c'est bon. Ouais. Le mec il commit. Ouais, plus rien à foutre, moi je balance en prod. T'as testé? J'ai livré, c'est bon. C'est vendredi, il est 17h, je me casse. Allez, salut. C'est ça. Attendez, il me manque un élément. Vite. Un élément important. Du coup, c'est dans ce sens-là. Ah, il m'en a dit que c'était... Ouais, moi, tant pis. Pardon d'avance, bestiaux, hein, pour la fermeture de ta chaîne, mais on peut pas museler l'art. Merde, non, je ne suis con. C'est l'inverse qui fait que je fasse. Je leur enverrai un message pour dissocier l'art de l'artiste. C'est énorme. Quelle scène d'anthologie, bravo. T'as peut-être eu mon dessin. merde, mais c'est... putain, j'ai mis ça, mais en fait, non. Il s'appelle ce con. Oups. Ouais, un médecin, mais... Ah, ou quoi qu'en fait, ouais. Ouais, j'ai pas le temps de modifier, mais... Voilà. Oh putain. Oh, attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'une de ses voix outrées est tombée sur ma phrase. Voilà. Mais quoi? Mais vraiment quoi? C'est moi, ça. Non, parce que déjà tu m'as fait dessiner un truc de fou sur le premier, et là tu me fais dessiner ça? J'ose. Si je dessinais ce qui est marqué en haut là. Donc mon dessin va être mal interprété, mais tant pis. Si tu savais comme je suis en speedrun là, Erdzor. Enfin ça se trouve c'est même pas toi. Mais... Pas le temps. Je vais en faire des comme ça aussi. Oui, c'est trop joli. Hop. Je m'en fous, j'ai fini depuis. Ah merde, c'est l'inverse. Détail. Oui, j'ai eu le problème aussi sur le premier dessin, c'est... Voilà, j'ai fini. Ah bah non, on m'a dit de faire l'inverse. Ah bah dommage. Quel dommage, Madame Chambier. C'est ballot, vous n'avez pas gagné la valise. Bon, vous mettez combien? Oh... Oh mon dieu, j'ai pas le temps. Qui c'est? Ah oui, ah oui. Ah oui, là, on est... Là, on est quoi dans la bêta. Mais c'est... T'as peut-être eu le mien, là. Ah non mais c'est quoi ça? Attends. Dans ma tête je cherche et ça donne... Oh, je sais pas qui c'est.
tes phrases. Quelle phrase de putain. Ça, c'est là, j'ai mis une phrase de pute, mais c'est pas ma faute, c'était ce qui était dessiné. Attends. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Oh non. D'accord, ok. D'accord, ok. Et on va dire que c'est bon. Une décision que j'ai prise. Je dessine tout ça encore, putain. Oh putain. Ah, putain, c'est merde. J'ai jamais vu un dessin aussi dégueulasse de ma vie, je suis désolé. Voilà. T'inquiète. Écoute, voilà. Ça fait le taf. Moi, je suis fier de toi. Allez, c'est bon. Oh. Hein? Quoi? What? Sur un beau dessin, c'est ça? On termine par un dessin. Ah, ouais. Oh, le... Oui. Oh là là. Il y a beaucoup de combats quand même. Hein. Oui. Oui. Là, c'est la bagarre. Là. Une équipe très tourmentée qu'on a ici. C'est dégueulasse. Non, c'est bizarre. J'annule. Je refuse. Mais pourquoi je fais ça en plus? C'est même pas dans le dessin, mais je suis complètement con. Une envie pressante. Ça joue sérieux là, hein, attention. Ah ouais, on sent que c'est la fin. Parce que maintenant il faut dessiner ce qu'il y a dedans là en fait. Ce qui est marqué? Merde. Je me sens pas, c'est le dernier dessin, quelque part on peut un peu s'amuser quoi. Mais quoi, attends, quoi? La... Quoi? C'est un vrai truc ça? C'est un vrai truc ça. Bon, on va faire avec hein. Alors si je me plante pas trop.
Bon, elle est dégueulasse, mais c'est pas grave. Il y a eu beaucoup de duels hein, quand même dans celui-là. Ouais, c'est la bagarre. Bon, il y a le temps pour faire un petit soleil mignon. Là. Voilà. Ah, j'ai failli quitter la page. Allez, j'ai fait plaisir à la fin. J'ai mais en manuel. Ah oui, manuel narration. Hop, tac, tac. Ouais. Ah oui, non, en plus, moi aussi, j'ai fait la bagarre dès le début, j'avais oublié. Il y a beaucoup de gens qui font la bagarre. Ah oui, mais c'était moi la bagarre. Ah, le mien a dû dévier en bagarre aussi, à tous les coups. Je sais qu'il y a un truc qui s'appelle une bagarre et c'est pas un cadeau. En fait, j'ai juste marqué. Oui, d'accord, oui, carrément. J'ai oublié. Ah, c'était toi, ça. T'aurais juste pu marquer bagarre, hein, ça allait plus vite. Bagarre. Wow. Honda. Oh, bah, il y a mon gars Sagat. J'ai compris. Ouais, on l'a bien. C'est la pochette. C'est Sagat. La pochette. Alors, là, désolé. On a Sagat. On les a, là. Street Fighter 2. Sagat. Il y a un autre. Une Michi. J'ai jamais vu. Ah là là. C'est donc bah, ça. Pour les connaître, je me serais peut-être souvenu. Et donc j'ai jamais. Edouard Romain d'Argenchaud, je veux dire. Regardez ce qu'on me donne. J'ai pensé ça, non pas que ça vienne d'ici. D'accord, ah bah j'ai rien. Mister Man est perplexe devant Question Man. Oh, Question Man. C'est bon, on est tous en train de lâcher, c'est bien. Question Man, le plus grand de tous les héros. Très bien. Oh, il est tout content, l'autre, il est adorable. Trop bien. Oh, ils sont trop beaux, vos Question Man. Merde. Parfait. L'avocat, fruit, qui plaide au tribunal. Fruit. Ah, oui, d'accord. C'était donc un avocat. Ah. Donc j'ai bel et bien vu ta phrase. Oh, la ref. C'est qui s'est transformé en Pôle emploi? Non. Sasuke non, est accusé non. par le cookie barbier au tribunal. Bah, j'ai presque dessiné ça. Hein. C'est Phoenix Wright, quoi. Ah, ouais. Ah Barbier, non, je pensais à Christophe Barbier, mais ok. Ah oui, non, mais d'accord, excuse-moi. Moi j'ai eu Barbier. L'autre type de Barbier. Un cookies versus une vieille meuf folle. Désolé pour la stigmatisation. Qui a pris une balle perdue de ouf. Mais ouais, nickel. Trop bien. Ça, c'est une vieille meuf folle, on est d'accord. Monsieur Cookie contre c'est de la faute de Drusk. Ouais. Sous acide. Il était trop bien, ça. ACI, on t'a dit. Il était trop bien, mon Phoenix Wright. Ouais, il était cool. Il était cool. Ah oui, on le reconnaît. Ça virait très vite. Mais en fait, j'aurais plus pensé au nostalgie critique. Merde, le licorne mange un cactus arc-en-ciel. Je suis désolé, Michi. Oh, oui. Le cactus qui est arc-en-ciel. Ah, c'est honteux. Ah. C'est pas grave. C'est très bien quand même. Non, non, moi, pour moi, ça, c'est bannissement de la fédération de garder. C'est inacceptable. Là, il y a faute, quoi. Mais non, mais au moment où j'ai décidé, j'étais content, j'ai cliqué sur. Et c'est pas non. Rien pour la vérité. Mais franchement, il n'y a absolument plus rien de documentaire dans cette vision d'artiste. Franchement, elle est cool quand même, les licornes qui mangent le cactus. Quand ouais. Ah non, elle déchire. Et le dessin est super. Très bien, on ferait la licorne, il bouffe le cactus, tout rien. Oh, j'ai pas mis de corne à ma licorne. Mais quel idiot. Mais quelle icône. Tu sais que j'ai pensé au dernier moment, j'ai fait un choual. Et puis, au bout d'un moment, c'est. Ah oui, une licorne, pardon, hop! Une corne, en fait. Ah, non, mais... moi, regarde, il y a même un point d'interrogation là où il devrait y avoir la corne. Il est dégueulasse. Où est le corne? Ah, non, c'est du vice, ça, c'est vraiment, tu fais pas court comme voilà, la licorne. Je pense que c'est mon pire dessin. Une licorne qui mange non, un sandwich, Thomas. Oh, bestiaux, comment t'as vu que c'était une licorne? Bah, parce que c'était rose, je pense. Rose. Voilà, c'est le coach. Voilà, impeccable. Un sandwich tomate à côté d'un cactus. Il y a un air de œuf qui mange un sandwich tomate à côté d'un cactus. C'est tout. Oui, oui, non, mais je suis l'arc-en-ciel. Pas fière. Puis l'arc-en-ciel. Le je suis vraiment pas fier. Ah bah non, c'est pas ça que j'ai eu. Ah, c'est resté comme dans le thème, celui-là. Effectivement. Je me suis fait plaisir. C'est ce que je peux. Ah oui, du coup, il va à Pôle emploi. Ah bah, moi j'ai eu ça.
Oui, d'accord. Non, moi j'ai interprété qu'il était déjà à Pôle emploi. Il se fait bon de Twitch en streamant nu à Pôle emploi. Il se fait bon de Twitch. Il se fait bon. Il y a tous les thèmes. C'est une main info. D'accord. Oui, c'est censé être une main. Il se fait bon. Ça reste bestiaux qui revient à nous. Ah, oui, quand même. Bien joué, Furious. Ah, bien. Alors, j'aimerais quand même la logique de. Oui. Wow. Oh, classe. Attends, quoi? Ah, mais d'accord, visite. Ah, joli. Joli, joli. Je ne savais pas pourquoi il y avait un gros monstre vert qui. C'est le boule de chaîne. J'y suis, pardon, merde, désolé. T'as mis du temps. Nickel. Oui, il est canon, ton mec nul. Mm. T'as vu? Il a du muscle. Bien gaulé, hein. Banane contre Godzilla. Ah, ok, c'était. Bah, du coup, ça. Ah, ça, c'est resté. Je vous ai fait le meilleur finish possible. Je l'annonce, trick shot, je vous l'annonce, j'ai fait Peanut un Peanut Butter Jelly versus Godzilla. Mais non, mais voyons. Peanut Butter Jelly. Mais du coup, elle est revenue comme la banane. Bah oui. Ouais. C'est la banane de Peanut Butter Jelly. Ah oui, c'est le nom de la dragon. Dragon, mais japonais quand même. J'ai pas trouvé Godzilla, quoi. Désolé. Parce que sinon, ça part en dragon, je pense. Donc... On a vu que c'est l'inverse. Le dragon part en Godzilla. Une banane trop mignon, ton Godzilla. Versus Godzilla. C'est bon, on y est sur la banane Godzilla. Impeccable, quelle cohérence. Wow. Wow. Oh mon dieu, c'est génial. D'accord, oh là là. On a perdu la banane, mais par contre, on a eu un magnifique... On a perdu la banane, il y a une énorme banane, j'ai fait Abrams. Il y a une banane géante, qu'est-ce que tu racontes, on a perdu une banane. Le lens flare, c'est pas vers la caméra? C'est comme le reflet. Ouais. Non, c'est ça, les cristaux, en fait, ils traversent le centre de la caméra, mais ça dépend où est la lumière. Ça doit être symétrique par rapport au centre de la caméra, mais c'est... Oui, alors par contre, voilà, si vous tirez une règle, ça va pas marcher. Okay, okay, okay. C'est l'orgie avec Baba. Mais voilà, mais du coup, c'est Spoon qui m'a pondu ça. Et Son Goku. Ah, regarde. Ah, mais Laurent. Ah, oui, hein. Ah, mais Laurent. Ça a fini en bagarre, je sais que t'as fait. On s'entend bien. Alors, déjà, une, ça a fini en bagarre. Bah oui, bah. Un combat entre Babar et Pikachu, ils ont. Fume et San Goku. Ah ouais. C'était peut-être vibreux de Pikachu. Ah, bah j'ai vu celui-là. Il y a un moment, ils ont fusionné, je vous le dis. Oh, oui, bah oui. Il n'y a pas le temps, quoi. Il n'y a pas de virgule. Babar, Pikachu avec une clope et Son Goku. Ah, c'est là qu'ils sont fusionnés. Il n'y a pas de virgule. Ah, j'ai pas mis de virgule, oui, d'accord. Babar, Pikachu avec une clope, et ouais, d'accord. Bah oui, bah. Voilà. La ponctuation, bestie. La ponctuation. Babar, Pikachu avec une clope, je suis désolé. On aurait pu vivre sans voir ça. Babar, Pikachu. J'espère qu'ils vont l'ajouter en DLC dans Dragon Ball FighterZ. Babar Pikachu, j'ai Babar Pikachu. J'étais Goku. J'ai juste compris le club, compris la fusion. Je suis passé à côté. L'acteur a fini par gagner. La fusion, je suis fier. Toujours, malheureusement. Pourquoi la club? Mon Babar Pikachu. Un fantôme. Alors que j'avais censuré la clope à la base. Ah, c'était un fantôme Choupi. Ah, mais je suis aimé, c'est tout mignon. Il est trop mignon, Tremere. Bah oui, il est trop beau. Un fantôme jaune se balade dans un champ de fleurs. Et je me suis dit, à la fin, quand j'ai validé, je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est un Pikachu complètement raté. Je me suis dit, non, quand même pas. Le jaune est copyright Pikachu, maintenant. Hein. T'es le jaune avec les petites pommettes rouges. Je me suis dit, ça se trouve, c'était peut-être un Pikachu, mais je me suis dit, non, quand même, là, il n'y a pas d'effort. C'est vrai que ça flottait dans la méta. Oh, joli. Oh, il est classe. Le fantôme jaune de Pac-Man dans une prairie pleine de fleurs. Ah oui, j'ai pensé direct à Pac-Man, mais c'est vrai que ouais, mais au début, j'ai même marqué Pac-Man, puis je me suis dit, bah non, c'est pas Pac-Man, c'est un fantôme. Oui. Oh, il est classe aussi. Nice. Un fantôme jaune de Pac-Man se promenait dans les champs. Se promenait. On a perdu les fleurs. Il est un peu moins mignon, celui-là. Du coup, il est dans les champs. Lui, il s'en fout. Il a le meilleur sourire de l'histoire. Oui. Il regarde ce blé avec un peu trop d'envie, je trouve. Une pistache. Ah, c'était de la pistache. Eh ben... Bah, désolé, c'était pas de la pistache. Pistache, mais bon, c'est ça. Ah, j'aurais préféré une arriver au moment de la pistache. Trois boules en cornet. Attendez, ah, mais oui. On a gardé la pistache à la fin. Pas spoiler, mais. Ah, je sais, voilà. En fait, vous avez dû vous dire. Mais non, mais si, c'est de la menthe. Et donc, vous avez mis des feuilles à côté. Une triple glace à la menthe dont s'échappent des feuilles. Non, mais attendez, merci, Michi. On a eu une dinguerie à la fin. Oh. Attendez, parce qu'il y a une dinguerie qui arrive. Hein. Oui. Glace à la fin. Oui. Ah, pas mal. Pas mal du tout. Spoon, excuse-moi, pardon, des feuilles de pistache? Mais c'est ça, moi j'étais en mode. C'est justement. Really? Ça n'a aucun sens, mais c'est le but. Alors, par contre. Non, mais ok, c'est Golden, mais. Mais qu'est-ce que c'est, ah, ouais, mais écoutez, je sais pas. Ah, mais non, là, il y a l'artiste, quoi. Il y a eu l'interprétation. Il a fait la version open world. Il a
Il a compris effectivement que Spoon c'était complètement à la weed. Il a raison avec son cornet de weed. C'est ça. À la glace à la pistache. J'ai littéralement fait des pistaches avec des feuilles de fût dans une glace. Alors bon, c'est pas forcément très détaillé, on s'entend. T'avais peur qu'on voit pas les détails, t'as dézoomé, tu vois, ok, d'accord. du coup, il y a la place pour mettre la piscine, le soleil. Non, en fait, la glace, c'est le dernier truc que j'ai fait, quoi. Des feuilles de pistache, pardon. Ouais, des feuilles de pistache. Du coup, j'ai vraiment Google feuilles de pistache. Hein. Ah, vraiment. Feuilles de pistache, ok, feuilles de pistache, c'est parti. Allez. Allez. Oui, ok, mais non, mais même. Pourquoi ? Je mets des feuilles sur l'arbre pistachier, mais qu'est-ce que... Ah, c'est une nouvelle saveur. Ça, c'est une nouvelle saveur, exactement. Ben, c'était bien drôle. Yep. Putain. Bon dieu de merde, mais Spoons, quoi, mais... C'est une belle fin. Et c'est la win, hein, Spoons, mais quand même. Mais elle revenue sur la pistache, et ça, c'est beau. Oui. Mais alors pour moi, les feuilles de pistache, c'est l'équivalent de, je crois, c'est Bestio ou Tassa qui avait dit, je sais plus ce que c'était, mais c'était fini sur des feuilles d'épinards qui tombent dans une piscine, un truc comme ça. Ah ouais ? Quelle vision poétique. Je ne m'en rappelle plus. Oui, c'était des aurores boréales et ça a fini en feuilles d'épinards qui tombent sur une piscine. Oui, 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 je me souviens de ça. En plus, je m'étais fait chier, je crois que j'avais participé, je m'étais fait chier à faire des belles aurores boréales avec de la transparence et tout. Ouais, mais ça va être Tassa. Ça va chiller en piscine. Attendez, je vais le retrouver. N'empêche que je suis fan de mon Babari Kachou. Le Babari Kachou, il est incroyable. Le Babari Kachou, c'est une légende maintenant. Nouvelle méta. C'est horrible à dessiner, mais nouvelle méta. Franchement, moi, à votre place, je prendrais mon Pokémon Go, là, je partirais directement en quête de mon Babari Kachou. Ah, il n'y en a qu'un seul, il faut vite l'attraper. Hein. C'est fini. Après, il va faire la tournée des bars, quoi. Bah après, je vais aller voir s'il y a des problèmes. Tu peux le voir le matin, mais bon, il est un peu déglingué, quoi. J'ai reposté sur le Discord les épinards. Les aurores boréales, je vais retourner le voir, putain, pitié. Je crois que je m'étais bien pété en deux. Ah oui, c'est moi qui ai marqué des épinards dans une piscine. C'est ton beau Tassa, mais c'est... Ah oui, c'est... Oui, voilà, merci, bien sûr. Tassa qui est trop... dans une piscine. C'était trop beau. Le petit rage à la fin, la grosse cascade. Oh putain. Oh, c'est vrai que... Je sais pas ce que t'avais filmé, Bestio, mais quand même. Il a filmé des... Non, ça, j'ai pas compris non plus. C'est vrai que quand je le revois, je me dis, toi là, j'aurais pas mis la phrase de la refaire. Oh putain, bon, il est comme dégueulasse son dessin quand même. Non, mais je dis pas que c'est que ta femme. On sait pas ce qui... se passe quand même sur le dessin. Bien sûr, mais parmi toutes les possibilités que t'avais pour décrire ce que tu voyais, les épinards tombent sur une piscine. Le pire, c'est qu'Ariane a dû faire « Ok ». Et dessine. Ok, oui, je mets des épinards qui tombent sur une piscine. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est où le problème ? On venait de faire une belle soirée avec... Beaucoup de conneries, oui, des épinards dans une piscine, oui, bien, valide, tout va bien. Tout à fait. C'est bon, c'est possible. Ouais, mais je me rappelais plus tout de suite, là, tu vois. Je me souvenais plus que le virage était si sec, quoi. Ouais, on a vu des aurores boréales, des aurores boréales, épinards dans une piscine. Si vous remontez sur le channel, il y a des trucs très sympas, quoi. Oui, c'est vrai que je pense regarder de temps en temps parce que. Et puis qu'à chaque fois il est posté, c'était cool, quoi. Vous savez, les amis, en ce moment, la vie, c'est un peu dur, les news sont mauvaises. C'est ça. De temps en temps, scroller vers le haut. Scroller un petit peu. Tu regardes 2-3 animations, pas plus, ça suffit, quoi. Attends, c'est au pif. Je me souviens d'un... C'était genre une pêche qui faisait un striptease pour une aubergine ou un truc comme ça. Ah oui, mais celui-là était joli. Pas bien, hein. Son principe. Ouais, c'était une soirée étrange. Oui, on a vu aussi un 360 de Linois qui est parti sur du tricot avec des éléphants. Oui, mais là, il est devant mes yeux. Oui, mais je comprends toujours pas, hein, où elle l'a vu. Attends, moi, je peux le copier, là Moi, je l'ai ouvert sur le navigateur et j'ai copié le lien. Copier le lien, on va faire ça. Le serpent devant une pyramide, de mémoire, il était pas mal.
Mais justement, c'est celui-là. C'est justement, c'est sûr, ouais. Pour aucune raison. Ça part dans une pyramide, donc ça partait bien. Un peu le chiffre, on descend ou on comprend. Il n'y a rien qui est là, impeccable, tout ici en chair. Et un élément fait du tricot. En revanche, très beau dessin, Bastio. Oh la vache. C'était dingue. Les anges de Plushy, ils étaient incroyables. Je sais plus trop pourquoi on s'est mis à parler d'Eurovision. Ah oui, c'est vrai. Bon, allez, main sur ce. Yep. Allez, bah, du coup, bah, des bisous tout le monde, passez bonnes vacances, tout ça. Et puis, on essaiera de se refaire une petite soirée, je sais pas, merci, fin août ou en septembre, ou, voilà. Genre avant, non, quoi. Allez, des bisous, bonne nuit. Bisous, bonne nuit. Bonne nuit. Allez, je coupe le stream ici aussi. Allez, des bisous, demain soir, du Ikaruga, hein, si tout se passe bien. Et puis voilà, mercredi du Is, jeudi du Tombstar et du Deep Rock, et vendredi samedi du Is également, hein, si le jeu me plaît. Allez, des bisous, bonne nuit.